C'était WD-40 avec Mouchamard. Ici Cosmos, vous écoutez le Cosmos Show. Oui, c'est une chanson que vous ne connaissez peut-être pas, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là, l'opération Mouche À WD-40 est grand poète. Il disait Oui, dans le trafic, ça fait du bien. Une claque, ça gueule, ça bouche un coin. Je pète, je rate, je parle pour rien. Si je te perds, je repasserai demain. C'est pas de ma faute, je suis pas capable d'être quelque chose d'autre qu'une mouche à marde. Oh, tu veux-tu être mon ami? Pour être une mouche à marde, toi ici. Ah, WD-40, vous allez comprendre. Parce que ce soir, on va lancer officiellement l'opération. Mouchamard, parce qu'on en est rendu là. Il n'y a personne d'autre qui va venir nous défendre. Nous sommes seuls face à l'adversité, face au gouvernement, face aux médias, face à la police, face aux services secrets, face à, 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 aux GAFAM, face à X, face à Facebook. On n'a que sur nous sur lesquels on peut compter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire la stratégie qui est euh, qui, qui, du... Euh, Give, give, ask. Donc, je vais vous donner de l'information. Après, je vais vous donner de la valeur à cette information-là. Puis après, je vais vous demander quelque chose. OK? C'est une émission interactive, mesdames, messieurs, ce soir. Il va y avoir des nouvelles très importantes. Écoutez ce show-là. Des fois, je le sais, je fais des blagues. Puis là, vous avez de l'opération Mouchamal. putain quoi? Mais il y a des choses très importantes à savoir dans cette émission-là. Il va y avoir des nouvelles, évidemment, du Mona et c'est euh, qu -ce quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la société ne se rende pas aux menaces de mort sur scène? J'ai besoin de vous, j'ai besoin de toutes vous autres, de vos amis et de tous ceux qui ont à cœur la société québécoise, tous ceux qui ont à cœur la paix sociale. C'est notre devoir de s'impliquer. Je vais vous expliquer comment faire. Extrêmement important. Autre segment extrêmement important également, il va y avoir des nouvelles sur comment sauver le Québec d'une manière politique on a besoin d'une voix au gouvernement comme un chef de parti un parti politique un véhicule qui va être à la hauteur de nos ambitions c'est-à-dire l'indépendance l'indépendance du mondialisme l'indépendance de l'agenda 2030 la capacité de dire non aux mensonges de l'arnaque climatique la capacité de dire non à l'agenda 2030 c'est ça qu'on a besoin aux états-unis ils ont cette voie-là s'appelle Donald Trump. Ils ont maintenant le véhicule. Le Parti républicain est à bord avec Donald Trump. Au Canada, ils ont ce véhicule-là, puis ils ont ce chef-là. Le véhicule s'appelle le Parti populaire du Québec, puis le capitaine du bateau s'appelle Maxime Bernier. Ils ont cette voie-là. Au Québec, on a un véhicule, on a un bateau. Mais le capitaine, lui, il est là pour faire s'échouer le bateau. Il est, il est là pour perdre. Vous le savez, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, il y a un congrès puis un vote de confiance pour Éric Duhamel qui s'en vient au Parti conservateur du Québec. Ce congrès-là s'en vient. Je vais vous expliquer comment faire pour voter. C'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile qu'il en a l'air. C'est tu sais, peut-être que vous pensez, ah, oh, j'ai ma carte de membre, je vais pouvoir voter. Non. Je vais vous expliquer que c'est beaucoup plus difficile que ça et on a du pince la planche et il est minuit moins une. Donc je vais vous demander de vous impliquer dans le Monogate, puis je vais vous inviter, je vais vous implorer de vous impliquer au Parti conservateur du Québec pour pouvoir être là au Congrès du mois de novembre. Show extrêmement important, on va se moquer des médias également, on a des articles très suaves, ça va être un show super. L'opération marde se lance officiellement. Maintenant, dans le Cosmos Show qui commence, parce que là, ça commence. Là. Là, vous savez ce que vous avez à faire. Vous partagez, vous likez, vous écrivez des commentaires dans le chat, vous invitez vos amis, vous partagez ce show sur Facebook, parce que moi, je ne suis pas sur Facebook. Je compte sur vous pour que vous partagez le lien ou même, encore mieux, vous téléchargez l'émission au complet et vous la remettez sur Facebook en votre propre nom pour que ça bosse. L'émission de la semaine passée a été euh, ma plus populaire de tous les temps. Chaque semaine, euh, je, bats, euh, je bats mon record. de La semaine suivante, je suis sur une montée. Euh, car je suis la saucisse high grade de la résistance parce que plus de gens l'écoutent, parce que meilleur c'est, meilleur c'est, parce que plus de gens écoutent, plus de gens écoutent parce que meilleur c'est. Plus je suis puissant, plus il y a les gens qui m'écoutent, plus il y a de gens qui m'écoutent, plus je suis puissant. Quand ce show-là va être numéro un, on va avoir gagné. On est sur une montée inébranlable, inarrêtable. Bienvenue dans le Cosmos Show. Vous le dites à vos amis, rouvrez les fenêtres, vous le criez. Le cosmos show, ça commence. Right fucking now! C'est pas de ma faute, je pas capable! Quelqu'un Mesdames, Messieurs, de retour, bienvenue à l'émission. On commence ça avec des nouvelles, un follow-up de l'histoire du Mona Gate. Alexandre Sant, qui incarne la drag queen moderne de Grenoble, qui dit que les gens qui sont contre les drag queens qui s'adressent aux enfants, il voudrait les tuer à grands coups de hache. Cette déclaration a été faite sur scène le 3 juin dernier à Drummondville, a été filmée, mise en ligne, approuvée par Mike Ward, approuvée par Yann Terrio, mise sur YouTube le 9 ou 7 ou 8 ou sur YouTube, a été vue depuis ce temps plus de 100 000 fois. C'est un crime qui a été commis sur scène, c'est un appel au meurtre qui a été fait. Puis là, euh, si vous avez suivi mes deux dernières émissions, vous savez que j'ai euh, contacté les autorités policières pour dénoncer ce crime et à la GRC qui euh, m'ont référé, eux, à la Sûreté du Québec. Euh, je me suis rendu dans un poste de police de la Sûreté du Québec la semaine passée pour faire ma déposition qui a été prise par euh, l'agent Desjardins ici à Joliette et transférée à la police de Drummondville. Ça fait une semaine de ça. Et à la surprise générale, j'imagine que ça vous surprend, les deux bras vont vous tomber, mesdames, messieurs, rien n'a été fait. Aucune dénonciation de la part des médias de ce geste haineux. Aucune rétractation de l'auteur. Aucune excuse de l'auteur qui double-down et qui maintient ses propos. Des centaines de milliers de personnes sont maintenant au courant de l'histoire à travers mes vidéos, à travers euh, Twitter X. Les gens sont au courant. Je voudrais en profiter pour remercier euh, pour ce travail euh, d'information « Actu QC. Uh, point com, du, du site actuqc.com qui a fait, qui a mis sur ses plateformes et Facebook, YouTube et sur son site internet évidemment actuqc.com un résumé de l'histoire uh, de mes démarches avec la police. Ça a été vu encore une fois des milliers de fois. Je voudrais remercier également Samuel Grenier qui, dans son émission du matin, je crois que c'était lundi, a passé des longs segments de mon émission uh, pour faire connaître l'histoire. Uh, il y a eu des très bons mots à mon égard. Uh, J'ai manqué ton appel. Ton, ton message pour euh, être là avec toi pour l'émission, mais ça va me faire plaisir, Samuel, d'aller à ton émission n'importe quand. J'apprécie beaucoup ton travail et j'incite euh, tout le monde à, euh, quand il se lève le matin, d'écouter Samuel le matin. C'est euh, le, remplace, le remplacement idéal de Salut Bonjour. Je vous ai expliqué la semaine passée que Salut Bonjour, c'était une émission de la matrice qui euh, amène les gens au début, les, les gardent dans la matrice pour pouvoir les garder toute la journée. C'est un, une job très, très, très importante qu'ils font euh, pour la matrice. Mais pour sortir les matantes, mes parents, vos parents, les voisins, il faut que le matin, faut qu il faut qu'il n'y ait plus euh, réflexe d'écouter salut, bonjour, puis écouter Samuel le matin. C'est à mon avis le best parce que ça s'adresse à peu près, c'est un peu le même ton de bonne humeur, euh, facile à écouter mais avec des informations pertinentes au lieu que du vent de propagande comme salut bonjour, donc un gros shout-out à Samuel Grenier que j'aime beaucoup. Madame Cosmos aussi t'aime beaucoup. C'est rare dans la résistance parce qu'elle est quand même difficile. Mais Samuel, elle aime bien, moi aussi. Merci Samuel, je vais aller voir, je vais aller te voir dans ton show à la prochaine occasion. Maintenant, OK. On est une semaine plus tard, la police de Drummondville a reçu le dossier. Rien n'a été fait. Je sais que de mes auditeurs ont contacté également les policiers de Drummondville, pour, euh, mais ils ont été reçus très froidement. Euh, la police veut euh, sciemment laisser se dégrader le climat social et que la, les prochaines étapes s'enclenchent et ça sera pas beau. On va lancer officiellement, mesdames, messieurs. Parce que là, là on n'a plus le choix. On n'a pas le choix. Ce n'est pas les médias qui nous défendent. c'est pas la loi. Ce n'est pas des avocats. c'est pas le gouvernement qui va faire en sorte qu'on va mettre une limite à la liberté d'expression. On va dire OK, des appels au meurtre, c'est déjà dans la loi. Mais si vous êtes déguisé en femme, ça, vous avez le droit. OK? On ne veut pas se rendre là. Mais il n'y a personne d'autre qui nous défend. Il y a vous qui écoutez, vous savez que c'est important. Moi, il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix de lancer officiellement. L'opération mouchamarde. L'opération mouchamarde, ça va comme suit. C'est pas élégant, mais on n'a pas le choix. C'est quoi les mouchamardes? Vous savez c'est quoi une mouchamarde? C'est bien, c'est une mouche. Nous autres, on appelle ça des mouchamardes parce que les, autres, les mouches. Autres, la marde, sont attirées par la marde! Lorsqu'il y a des gros étrons puants, ça se remplit de mouches instantanément parce que les autres, il, la, les mouches vont où la marde est. Donc, il y a de la marde au Québec. puis la marde la plus puante en ce moment, c'est des appels à la violence pour faire dégrader le climat social par Alexandre Saint, Mona de Grenoble. C'est la pire marde qu'il y a en ce moment. Donc, les mouches à marde, c'est nous autres. Les mouches à marde font déjà la pluie et le beau temps, règnent comme des champions sur X. N'importe quel message des médias va être détruit par les mouches à en l'espace de quelques instants. N'importe quel message gouvernemental va être détruit par les mouches à en l'espace de quelques secondes. Vous n'avez qu'à regarder, euh, si je vous mets un message, euh, ça arrive à tous les jours, je vais vous montrer un exemple d'un média qui a posté quelque chose. Et puis ils se font euh, détruire littéralement par euh, les, euh, les commentaires. C'est rare, je trouve un de ces messages-là gouvernementaux. Euh, C'est rare, j'en repose. Là, finalement, je regarde ça. Euh, <coughs> Mais vous savez ce que je veux dire? C'est euh, complètement. Euh, on domine outrageusement euh, sur les réseaux sociaux euh, libres. OK, on a un exemple ici. Jean-François Roberge, OK. Jean-François. OK, c'est un bon exemple ici. Jean-François Roberge nous explique que. OK, on est tellement riche au Québec. On est riche. Hey, on va donner 5 millions de dollars à ces deux propagandistes d'État, dont euh, ici euh, Favron. C'est quoi son prénom? C'est euh, quoi Favron? Qu'elle était euh, Tout le monde en parle, puis elle a suggéré à Christian Dubé que. On devrait empoisonner les gens à leur insu dans leur café, mettre des vaccins ARN messagers qui seront rendus maintenant illégaux en Floride. On devrait leur mettre dans leur café comme ça, on pourrait vacciner tout le monde, hein? Puis elle qui m'a bloqué, qui bloque tout le monde, qui est une propagandiste d'État de première, accompagnée d'un doux avec une casquette, aucune idée. C'est que le gouvernement a décidé de donner 5 millions de dollars à ces deux-là et à l'équipe de production pour qu'ils fassent un quiz. Sur la langue française qui sera diffusée à Télé-Québec. Télé-Québec. Savez-vous combien de personnes les codes d'écoute à Télé-Québec pour un quiz animé par Favron? Ça va être en bas de 50 000. Donc, le gouvernement va payer plus de 100 par personne qui va écouter le quiz pour vous rentrer cette propagande-là d'en dans, dans, dans dans face. Il s'est fait démolir, évidemment. Donc, il y a lui qui dit ça. Puis là, on va regarder les réponses. « Le meilleur service à rendre à la rente française serait de fermer Télé-Québec et de rendre cet argent aux cours de français aux immigrants. » Excellent commentaire, Daniel Labonté. « 5 millions pour faire travailler le style qui traitait tout le monde de conspi et qui voulait vacciner de force la population pendant que toi et ton salaud de PM détournait l'argent. 990 millions au fédéral dédié à l'éducation de nos enfants. » 65 likes. Euh, et puis donc ça va comme ça. Oh, donc, on le voit ici l'exemple euh, la vidéo oh, est là. Vaccinale. Elle nous dit garde, veut faire vacciner le monde là de force. Ça c'est sur la télé d'État, ça c'est euh, c'était début 2022. Je me rappelle quand j'ai vu ça, j'étais au chalet chez mes parents, puis euh, pas d'internet, puis j'avais vu ça en direct. Euh, c'est incroyable. C'est à peu près c'est aussi pire que euh, les enfants de Julie Snyder qui disaient qu'il faudrait appeler la police s'ils voient un non vacciné. On se remémore ce moment d'anthologie, de merde. Okay? Puis depuis ce temps-là, il pas pogné avec les mouches à marde. Parce que quand tu fais de la marde de même, tu as des mouchamardes. à marde. Fait que ce pas un défaut d'être une mouche à marde. Le défaut, c'est d'être de la marde. Les mouchamardes vont sur la marde. Si tu dis que tu as des mouchamardes après toi, c'est parce que tu es de la marde. OK? C'est ça l'opération mouche Ceux qui font de la marde, on va les écœurer à mort. Ben, à mort. Social, évidemment. On ne veut pas aucune violence, évidemment. On va juste être gossant, extrêmement gossant pour ces individus-là, mais surtout pour leurs employeurs et surtout sur les commanditaires de leurs employeurs. Je vous explique le plan après qu'on écoute Favron. C'est quoi Anaïs Favron, je crois? La merde à Favron. Si, si les gens étaient vaccinés, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de risques. Le contre... passeport vaccinal, avez-vous pensé dans les chaînes de restauration rapide qui servent des cafés, par exemple? Il de... y en a beaucoup qui vont là, déjà. Qui vont dans les chaînes de restauration rapide. Oui. Oui, oui. Ça, ça, ça obligerait les gens à se faire vacciner plus. Ça pourrait obliger les gens à se faire vacciner plus. Donc, on a <laughs> déjà une nouvelle idée d'élargissement. Mais Et le vaccin, est-ce qu'il faut qu'il aille dans la peau ou il peut être directement dans le café? Je demande. <laughs> si. Agnès, pas, là. Ben, le bout de directement dans le café, oui, c'est une joke, là. Mais avant, là. Hey, regarde, là. Les restaurants de restauration rapide, là. Il y en a qui vont prendre leur café, là. Il faudrait euh, que c'est terminé, là. Mais là, quoi qu'on m'en ait, on ne pouvait plus. On ne plus rentrer au McDo pendant le passeport vaccinal. Mais elle, le passeport vaccinal, ça ne va pas assez loin. On n'est pas encore assez nazi. OK? On vit la période la plus traumatique, la plus tyrannique de l'histoire de notre société. Puis elle, elle en redemande une couche. On le réécoute. C'est trop débile. les gens étaient vaccinés, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de risques. Par Et contre. Le passeport vaccinal, avez-vous pensé dans les chaînes de restauration rapide qui servent des cafés, par exemple? On n'y est pas, là. Pas une joke là. Regardez à la face, Lézard. lizard people, idiot utile, merde littérale. Qu quest ça? Avez-vous pensé dans les chaînes de restauration rapide qui servent des cafés, par exemple? Il de... y en a beaucoup qui vont là. Déjà. Des gens. Déjà. Des gens qui vont dans les Regardez la, de la haine. Oui. Puis ça, c'est elle qu'on va, après avoir dit ça, l'État va la récompenser pendant que tout le monde est en train de perdre sa job dans les médias. Elle, on va la récompenser d'une job à Télé-Québec faire sur le français. Rien contre le français. La seule se aspect c'est que vous parlez français, mais votre job, si vous êtes efficace dans la vie, vous devez également parler anglais. Être unilingue francophone en 2023 au Québec, c'est un immense handicap. Puis là, vous allez commencer à écouter les games en anglais parce qu'il n'y aura plus de TVA Sport en français, puis RDS en français. On va commencer par ça, parce que là, il faut s'élever toute la gang. Là. OK? Plate à dire, je sais que personne ne vous dit ça jamais. Vous ne pouvez pas vivre juste en français au Québec. Si oui, vous vivez dans le dôme, puis vous êtes à la merci des propagandistes d'État comme ça. OK? Donc lui il se fait démolir des centaines de commentaires tout le monde tout ça tout ça ici là aux yeux du ministre là, ça c'est toutes des mouches à mardes. tout toutes 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 des mouches à mardes. et puis c'est sans fin ok donc pourquoi les mouches à sont là c'est à cause de la marge qui vient de l'annonce que on est assez riche le long garde les infirmières n'ont pas d'argent, les profs n'ont pas d'argent, pas d'argent partout, mais non, on va donner 5 millions de dollars à des personnes haineuses pour mettre de la propagande d'État pour une émission que personne ne va regarder. OK. Revenons à l'opération mouche à OK. Donc, ça devra être les mouches à qui doivent faire la loi maintenant au Québec. Et puis, donc, comment ça va s'appliquer? Il y a des choses qui s'en viennent. Là, ce que vous voyez ici, c'est Mona de Grenoble qui, depuis qu'elle a fait son appel au meurtre le 3 juin sur scène, eh bien, elle a été récompensée elle, elle, elle aussi. Ça a donné un méga contrat euh, super payant à la euh, radio de Rouge FM. Rouge FM, si vous ne savez pas c'est quoi, euh, pourquoi ça s'appelle Rouge FM, c'est euh, par, par rapport aux résultats financiers. Okay? Ils sont dans le rouge, mais on va s'arranger puis qu'ils soient tellement dans le rouge qu'ils doivent fermer. Euh, je ne souhaite pas ça. Tu sais, je veux que les gens continuent d'avoir des jobs, mais d'avoir récompensé une propagande, un propagateur de haine, c'est insoutenable. Donc, on a ici Véronique, Véro du bag, la Véro du Bag, elle, qui décide qui est son populaire dans la vie, qui sont dans le bag, qui vont être dans la gang. C'est euh, la euh, Oprah Winfrey du Québec. Dans le sens où est tout aussi destructrice et satanique, mais c'est une animatrice de talent qui est engagée euh, à la radio de Rouge FM de iHeart Radio. Son émission, ça, de Retour à la maison, de 16 à 18 heures, s'appelle Véronique et les fantastiques. Ça marche depuis plusieurs années puis elle langage plein d'humoristes insipides. Je n'ai jamais vraiment écouté le show, mais voici le line-up de collaborateurs. Donc Bianca Gervais ici, la magnifique. Euh, C'est elle qui est justement la blonde de Sébastien Diaz, le comment dire, le, le représentant de la masculinité québécoise, c'est-à-dire euh, de l'étoffe de Hubert Lenoir, ultra-féminisé, euh, gauchiste, bobo, euh, déconnecté de la réalité. Mais bon, Bianca Gervais est magnifique. Euh... là, bon, des humoristes qui nous chient sa tête, insipide, le masturbateur d'un parc, mais ça, ça c'est parce que ça, c'est avant ton heure. Aujourd'hui, là, t'aurais pu mettre ça, le faire sur TikTok, ça aurait pogné au bout, aucun problème, se masturber dans un parc, surtout quand on est gay. Regarde, il se fait bien bien que ça. Le monde à ce temps, il se promène la caquette à l'air d'un parade devant les enfants. puis ça dérange pas, fait que Joël, T'étais juste un avant-gardiste. Louis Morissette, évidemment. Son chum, son mari qui nous a chié sa tête. Comme tous les méos qui nous chissent à la tête. là n'a jamais pris que je m'en parte en business. Jamais. Mais ben, tu es bien pareil comme tous les autres. <laughs> OK. Puis là, bon, on en a d'autres. Puis là, on a Mona de Grenoble, fantastique, qui a été engagé par la station de radio. Donc, l'opération Mouchamard va comme suit. Mona de Grenoble, il faut à être des Mouchamard autour de lui. Puis là, ça va comme. Donc, on, autour de lui, ça, c'est une affaire. Mais autour de ces employeurs, il faut, la... faut que le message au bout du compte, c'est qu'ils s'excusent et que le message à la population, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on tuerait un groupe de personnes à grand coup de hache. OK? Jusqu'à présent, on peut. C'est le message qui est envoyé à la population. Nous autres, il faut se battre contre ça. Donc, on doit appeler vos stations. Rouge FM local, pour leur faire passer l'extrait, puis leur dire qu'il y a un des collaborateurs de Véronique et les Fantastiques, c'est un promoteur de haine au Québec qui fait des menaces de mort sur scène, qui veut tuer des gens, et puis euh, qui, qui est extrêmement euh, vulgaire, qui se traite lui-même de pédophile et compagnie, vous faites passer l'extrait qui veut tuer des gens à grands coups de hache. Puis vous dites, vous, vous récompensez ce discours-là en le, le mettant en ondes sur Alexandre Hossan. C'est insoutenable, je vous, sou, je vous demande de, re, de le retirer là. OK, donc un appel comme ça, ça ne changera rien. Sans appel comme ça, ça ne changera rien non plus. Mais l'appel comme ça ça va être extrêmement gossant. Il va falloir qu'il engage du staff juste pour ces messages-là. Lorsqu'il y a des messages, il y a quelqu'un qui réussit à parler peut-être en ondes. Vous, vous êtes bien fin, vous voulez participer au concours. Puis lorsque vous arrivez live en ondes, vous y sortez à Véronique Cloutier d'en face, qu'elle donne une job à un propagateur de haine qui fait des menaces de mort. OK? Il faut que ça soit... Constant. Ça, c'est juste la première étape. Donc, vous allez rejoindre dans vos régions. J'ai besoin, c'est un appel à l'action. Moi, c'est ce que je fais, OK? Je vous donne, je vous donne, je vous demande. Give, give, ask. Là, je suis rendu au bout où je vous demande de faire quelque chose. Vous devez contacter vos stations Rouge FM. Euh, régional. Okay, à Montréal, c'est 107.3, Rimouski 102.9. Okay? Vous allez sur le site High Heart Radio, vous marquez Véronique et les fantastiques sur Google, vous allez arriver là. À Drummondville, Drummondville le lieu où s'est passée l'infraction, l'endroit où les, les gens devraient être le plus mobilisés. Vous appelez la police, vous leur dites que c'est important, et puis vous appelez la station de radio pour leur dire de mettre dehors Alexandre Saint. Okay? 105.3 à Drummondville. OK, vous avez toutes les stations qui sont là. Ça, c'est la première étape. OK, mettre de la pression sur Véronique Cloutier, iHeart Radio, Rouge FM, Mona de Grenoble. Et la salle de spectacle Petit Champlain ou Mona de Grenoble doit se présenter en spectacle les 10 et 11 septembre. À moins que ce soit 9 et 10, en tout cas... Dans ces eaux-là, il y a deux spectacles qui sont prévus à la salle de Petit Champlain. Il faut mettre de la pression sur la salle pour qu'ils sachent que la personne qu'ils vont mettre sur la salle-là, c'est une personne dangereuse qui dégrade la société. Qui en appelle au meurtre. OK? Ça, ce n'est que la première étape. Est-ce que ça portera ses fruits? Non. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Parce que là, la semaine prochaine, je vous reviens avec l'opération Mouchamarde, deuxième étape. Qui, elle, va être extrêmement gossante, puis elle, au bout du compte, elle va marcher. Mais on laisse encore une semaine à Mona ou à Alexandre pour faire une vidéo d'excuses. Au moment où ce il s'excuse, puis il dit à la société Je suis allé trop loin, on ne peut pas aller là on arrête les mouchamards. OK? On y laisse encore une semaine pour enclencher l'étape 2 de l'opération Mouchamard dans le Monogame. Si la station de radio retire Monade Grenoble de son alignement, on arrête. Si le spectacle de Monade Grenoble est annulé à Québec à cause des, du scandale, c'est beau. Ça, on va avoir eu notre message à la société. L'étape 2, on ne l'entendra pas cette semaine. Là, l'étape 1, si on qu'on appelle la station de radio, la salle de spectacle. On met de la pression là-dessus. Puis on tente d'arriver en onde. Avec Véronique Cloutier en direct, et puis de dénoncer monote Grenoble sur les ondes, d'en face à Véronique Cloutier, qui, je vous rappelle, nous a traité d'animal au gala euh, des Gémeaux. Ça c'est Gémeaux, je pense que oui. En tout cas, un gala quelconque qu'elle animait en 2021, où elle me disait qu'elle a vu tout sur plein de choses là. Hein, ça ressemble à des émissions, dans la réalité, comme euh, Un zoo pas comme les autres. Ça, c'est un, un, un documentaire sur les manifestations anti-masques. Un zoo pas comme les autres. Vous êtes des animaux qu'on devrait mettre en cage, selon Véronique Cloutier, si vous avez bien besoin. Là. Puis son chum qui nous a chié sa tête encore la semaine passée, il y a deux semaines. ne doivent pas s'en tirer, eux autres. Les mouches à marde sont après Véronique Cloutier, le, le couple Morissette-Cloutier, parce que maintenant, ils mettent de l'avant, ils. Ils engagent monard de Grenoble qui veut vous tuer. Plus là, ça, ça, sans parler, ça rajeune la brosse. OK, là, je me trompe peut-être. C'est elle qui avait traité ses, ses, ses anciens amis de White Trash. Donc, je me trompe peut-être, mais bon. OK, ça, c'est la prochaine étape. La deuxième étape, je vais vous l'expliquer tout de suite, ça va être quoi. Mais on ne l'entendra pas tout de suite. La deuxième étape, c'est que là à la première étape, disons-là, iHeart Radio, Véronique Cloutier, ne cède pas, garde les mots à marde, moi ça ne me dérange pas, je, je suis dans ma tour d'ivoire, je ne lis pas les commentaires, je ne vois pas les mots à marde. La station de radio, elle, jusqu'à temps qu'elle perde de l'argent, va juste faire « Ah, c'est une mouche à marde", mais je rien. » L'étape suivante, qui elle, va être beaucoup plus intense, beaucoup plus destructrice pour tout ça, sans que ça soit violent. On va appeler... On va mettre de la pression, on va faire jouer les extraits de Mona de Grenoble aux commanditaires. Donc à ceux qui annoncent les commerces, les PME qui s'annoncent dans les stations de radio de Rouge FM et en région et à Montréal parce que j'imagine que les publicités qui jouent en région à Rouge FM, c'est des PME locales. OK, c'est des plus petites business. Ces plus petites business-là ne sont pas contrôlés par le mondialisme. Lorsqu'on leur fait jouer l'extrait qu'en s'annonçant chez Véronique Cloutier, ils encouragent les meurtres entre les extrêmes gauche et les extrêmes droite, la violence politique, ça va les faire réfléchir. Puis on va lancer des campagnes de boycott sur les commanditaires de Rouge FM. On va les grinder un par un. Donc, on va écouter les, ces émissions-là, on va regarder c'est qui qui a dans les annonces, on va sélectionner les commanditaires qui sont les plus petits. Évidemment, si c'est le gouvernement du Québec ou c'est la fédération des, euh, c'est un syndicat quelconque, eux autres plieront pas. Mais le Roger Body Shop ou bien la Pizzeria Cosmos les autres ils ne voudront pas les autres ils donnent de l'argent pour avoir de la publicité parce que ça leur rapporte de l'argent au moment où ils donnent de l'argent puis ça leur fait perdre de l'argent, ils vont mettre leur argent ailleurs. Donc l'étape 2 ça va être ça. On donne une semaine à et soit petit Champlain, Rouge FM, Alexandre Saint pour se rétracter pour qu'il y ait des conséquences pour que le message à la société c'est que on, on peut pas aller à l'appel au meurtre sur scène. Donc, c'est le déclenchement officiel de l'opération Mouchamard. Tu veux-tu être mon ami Pour être une Mouchamard tout ici. Mouchamard. Oui, on ne lâchera pas le morceau. Traitez-nous de Mouchamard, ça ne me dérange pas. Parce qu'en nous traitant de Mouchamard, vous dites que vous êtes de la marde. OK On va être partout. On va vous écœurer sans arrêt. On a la mémoire très, très longue. Pis on sait que la vengeance est un plat qui se mange froid, capable d'attendre. Il y, y a des vengeances qui se prennent encore, là, des choses qui s'est passées il y a deux, trois ans. Pis on gagne. Là. Vous allez tenter de nous refaire le coup, de nous réenfermer, ça ne marchera pas. Vous avez perdu le edge. Les mouches à marde maintenant qui mènent. Voilà. On se revoit dans deux minutes. Avec la complexité du monde qui nous entoure, il devient parfois difficile de distinguer le vrai du faux. C'est pourquoi nous, les journalistes, pour vous décrire le monde de façon juste, devons respecter des règles. Le Conseil de presse du Québec veille au respect de ces règles journalistiques. Il est là pour que vous portiez plainte si on ne respecte pas les règles pour que vous puissiez avoir confiance dans le journalisme qui se fait au Québec. Mesdames, Messieurs, segment important ici, segment Parti conservateur du Québec, segment Avenir politique du Québec. Écoutez bien, c'est très, très important. Il y a un président d'association de comté euh, conservateur qui m'a contacté euh, à minuit moins une, dans le sens où il est minuit moins une pour sauver la démocratie au Québec, pour avoir une voix qui nous représente à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, je vous parle souvent de culture parce que la culture est en amont de la politique. Mais maintenant, c'est le temps de s'occuper de la politique elle-même. Si vous écoutez mes émissions depuis longtemps, vous savez mon point de vue sur Éric duham. Si vous vous rappelez l'an passé, à pareille date, j'étais le cheerleader numéro un du Parti conservateur d'Éric Duhem. Je faisais des vidéos hommages, des montages vidéos. Je vous incitais à prendre votre carte de membre, à voter pour le Parti conservateur, à vous impliquer dans la campagne électorale qui s'amorçait. À ce moment-là. Et puis, euh, j'ai été un soldat jusqu'au bout. Et puis, même si j'avais plusieurs appréhensions et des choses que je trouvais bizarres, j'ai pas voulu faire de vagues à ce moment-là parce que la campagne électorale euh, allait, allait de l'avant. Donc, <coughs> Donc, mais ce qu'on s'est rendu compte dans cette campagne électorale-là, même au courant de l'été, dans les mois qui ont précédé l'élection, on s'est rendu compte qu'Éric Duhem ne faisait pas ce qu'il fallait. Il ne mettait pas son emphase où il faisait. Il, il reculait dans ses revendications. Il laissait ses meilleurs joueurs sur le banc. Il n'a jamais dénoncé le complot mondial qu'on est au courant c'est-à-dire que les élites se rejoignent au World Economic Forum, se rejoignent ensemble au groupe Bilderberg et ils reçoivent euh, des messages synchronisés des Young Global Leaders. Puis ces messages-là nous viennent de Klaus Schwab, qui a écrit la quatrième révolution industrielle, qui a écrit le Great Reset. Les, ces deux livres-là, le plan d'action est là au complet et toutes les... Euh, Gouvernements mondialistes qui font partie de, du G7, ben, ils suivent le plan à la lettre qui va nous mener à la planète prison, qui va nous mener à l'agenda la, 2030 où on ne pourra plus se promener en véhicule, qu'on sera pris dans des villes euh, 15 minutes, qu'on sera obligé d'avoir euh, des applications, le crédit social chinois, c'est là que ça s'en va, c'est clair comme de l'eau de roche. Éric Duhem n'a jamais adressé ce problème, il mettait toujours la faute du. Euh, de la situation dans laquelle on est de la tyrannie et sanitaire et la censure tout ça mettait toujours ça sur le dos de l'incompétence. Nos gouvernements sont incompétents, on peut faire mieux. Et puis lorsqu'il faisait questionner avec des questions si simples comme euh, par exemple euh, mais vous, vous est-ce que vous croyez à ça les, les changements climatiques Ben là lui il voulait licher les médias, ben oui, ben bien sûr qu'on croit à ça les changements climatiques. Tu il y aurait aux États-Unis les plus populaires et de loin qui ont en haut de 50 là, qui ne sont pas à 5 dans les intentions de vote, là, qui sont en haut de 50 c'est ceux qui sont les plus agressifs envers les médias. Lorsqu'ils se font poser une question stupide, du genre répondre quelque chose du genre OK, est-ce que vous croyez au changement climatique Ben là, de quel changement climatique vous me parlez Est-ce que vous me parlez des changements climatiques de la prochaine ère glaciaire qui nous annonçait dans les années 70. Est-ce que vous me parlez des changements climatiques, des pluies acides, des supposées de faire fondre tout? Est-ce que vous nous parlez des changements climatiques qui nous disaient à la fin des années 80 qu'à l'an 2000, la neige ne serait qu'un... Est-ce que vous me parlez des changements climatiques que d'ici en 2000 on nous disait que d'ici 10 ans la Floride et New York seraient sous l'eau? Est-ce que vous me parlez des changements climatiques de Greta Thunberg qui en 2018 nous disait que dans 50 ans n'était pas tout pour être mort? De quelle sornette vous voulez que je me sur, sur lequel vous voulez je me commette? Vous voulez je croie quel mensonge qu'on nous a dit depuis 40 ans? Lequel? Répondrait quelque chose du genre? Ou lorsqu'un autre euh, journaliste lui dit oh, ⁇ ça, ça me fait un peu penser à Trump là, ce que vous faites, c'est un peu... Euh, vous jouez dans, les, euh, dans le Trumpisme. Puis là, Eric Duhem, à ce moment-là, tout... Oh, pff, il, il, il sentait attaqué qu'on le compare à Trump. Eric, les voteurs qui votent pour toi adorent Donald Trump. On a besoin de quelqu'un que si quelqu'un fait référence à Donald Trump, il répondrait quelque chose du genre... Yeah. Je savais qu'aujourd'hui, je vous rencontrais, je savais que ça pourrait être une belle journée, mais je ne pensais pas recevoir des fleurs aussi incroyables. Madame, vous voulez me comparer au politicien et de loin le plus efficace de mémoire d'homme, au politicien le plus populaire au monde, le politicien le plus populaire aux États-Unis qui aura marqué toute une génération auquel toute la politique mondiale tourne Vous voulez me comparer à un tel personnage J'en demandais pas tant. Euh, vous êtes fantastique. Bien sûr que je m'entendrai très bien avec Donald Trump. Euh, je, serais très heureux de, je serais très heureux de le rencontrer lorsque je serai le Premier ministre. Prochaine question. OK? Parce qu'Eric, depuis tout ce temps-là, depuis l'année passée, avec les campagnes électorales, tu as été gentil avec les médias. Tu as dit ce que les médias voulaient entendre. Est-ce que ça t'a porté fruit? Non, absolument pas. Ils t'ont quand même jeté comme une chaussette puis traité de complotiste. Les gens, si on fait des sondages, on demande aux gens est-ce que vous faites confiance aux médias Est-ce que vous aimez les médias Plus de 50 des gens vont répondre qu'ils ne font pas confiance aux médias, qu'ils n'aiment pas les médias, que les journalistes ne leur font pas confiance. OK, depuis deux, trois ans, ils ont passé d'un niveau de confiance d'autour de 60 à bien en bas de 50 Donc, n'importe quoi que les médias vont dire, les gens, il y a un gros pourcentage de la population qui vont être contre n'importe quoi que les médias vont dire. Pour gagner, il faut être sauvage envers les médias, leur dire que leurs jours sont comptés, que c'est des fake news qui sont de l'extrême gauche, que c'est des militants communistes payés par l'État. C'est avec des clips comme ça qui auraient été viral et que les gens auraient su. Que es la vraie personne dans laquelle on, on veut. Parce que ceux qui gagnent aux États-Unis sont beaucoup, beaucoup plus agressifs, beaucoup, beaucoup plus réveillés sur le mondialisme, le, le communisme qui s'installe partout à travers l'agenda 2030. On a besoin d'un leader ici comme Trump aux États-Unis, mais au Canada comme Maxime Bernier. Si on avait un gars comme Maxime Bernier à la tête du Parti conservateur, on serait euh, en Cadillac. Lui, il n'a pas peur. De remettre les médias à sa place. Il n'a pas peur de dire les vraies choses, il n'a a pas peur de s'afficher avec des gens qui sont pro-liberté. C'est le modèle à suivre. Mais toi, Éric Duhem, puis les gens qui m'écoutaient, vous savez, Éric Duhem, lui, son idole, c'est Pierre Le lui, lui, il va être le Pierre poliève du Québec, sans saveur ni odeur. Il met tout sur le dos de l'incompétence, se ferme les yeux. Si tu ne dénonces pas le mondialisme, le communisme, la planète prison dans laquelle ils nous amènent, c'est que tu fais partie du plan pour nous y amener. Pierre Poliev fait partie du plan pour nous y amener aussi. Bien sûr, il a dit qu'il n'était pas pour, de, pour nommer une ministre qui vienne du World Economic Forum. Déjà là, Pierre Poliev, qu'on trouve ben trop euh, vanille, bien trop euh, mou, il est allé bien plus loin qu'Eric Duhem. Eric Duhem parle des conflits... Euh, dans, le métro de, dans les transports en le commun de la ville de Québec, des petits dossiers en se fermant les yeux, en, en ne dénonçant pas le plan qui s'implante partout en Occident. Puis oh, c'est comme si euh, la même décision stupide se prend en France, au Burkina Faso, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, en Espagne, puis à, au Québec, la même journée, puis à New York, puis ils ont toutes une décision incompétente en même temps synchronisée. Donc, si vous croyez Éric Duhem, vous croyez à un hasard aussi stupide que ça. Éric Duhem a été mis là pour perdre, pour faire un semblant d'opposition, mais maintenant, on a besoin d'une vraie opposition. Il a fait un travail quand même correct pour avoir créé le véhicule qu'on va se servir pour aller à la victoire. Le parti conservateur est un véhicule viable, excellent qu'il faut maintenir. On a besoin de changer de capitaine. Ça sera pas capitaine Cosmos, bien évidemment. Je ne sais pas qui sera le prochain capitaine, mais ça prend un capitaine qui va être capable de dire les mots Klaus Schwab, qui va être capable de dénoncer George Soros, médiumadeuse, qui va être capable de dénoncer les arnaques climatiques, qui va être capable de dire qu'il y a des armes à énergie dirigées qui sont utilisées par les élites pour, prendre, pour prendre les, les terres. Un peu partout dans le monde. Ça prend quelqu'un qui est réveillé à ce point-là. C'est clairement pas Éric Duhem, vous le savez. Maintenant, donc, on a besoin de changer Éric Duhem. Comment ça va fonctionner? Dans les partis politiques, la manière que ça fonctionne, il y a des congrès dans lesquels les grandes orientations du parti sont discutées. On n'en a pas parlé beaucoup, les gens ne savent pas, mais il y a un congrès qui arrive au Parti conservateur. C'est les 18 et 19. Novembre de cette année. À ce congrès-là, il y aura très certainement un vote de confiance envers le chef, comme c'est l'habitude. Donc, Éric Duhem doit pas perdre ce vote de confiance. OK? Éric Duhem sait très bien que les gens euh, qui étaient pour le Parti conservateur, les gens comme Cosmos, les militants, les bénévoles du parti en attendaient beaucoup plus d'Éric Duhem et veulent le remplacer. Alexis vous en a parlé, je vous en ai parlé souvent, Petit Albert vous en a parlé, la majorité des lanceurs d'alerte sont de mon côté là-dessus. Euh, on veut un chef qui est, euh, qui est à la hauteur de nos ambitions, ce n'est pas Éric Duhem. Maintenant, le président de comté qui m'a contacté, auquel j'ai parlé, c'était très intéressant. Il a dénoncé beaucoup de choses dans la structure du parti qui font en sorte que ça va être très difficile pour les gens de gagner ce vote de confiance-là pour le sortir. Ça va prendre des gens qui sont motivés. Dans ceux qui m'écoutent maintenant, j'ai besoin de gens qui vont vraiment être motivés. C'est l'avenir du Québec qui est en jeu, littéralement. Parce que sinon... Regardez, les carottes sont cuites au Québec. C'est terminé, la lumière s'éteint, il n'y a plus d'espoir. De, OK? Écoutez-moi bien comment ça va fonctionner. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour les battre. Ça ne sera pas facile. OK. Le congrès est les 18-19 euh, novembre. Et là, on se dit OK, bon, ben moi, je suis membre, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir voter. Parce que ça, ça va pouvoir voter par Internet, puis là tous ceux qui sont membres vont pouvoir voter. Vous êtes acheté votre carte de membre pour ça, n'est-ce pas? Non, ça ne sera pas ça. C'est pas parce que vous avez une carte de membre que vous allez pouvoir voter pour le... à savoir s'il va y avoir une nouvelle course à la chefferie, s'il va y avoir une course à la chefferie. Parce que, dans le fond, le but ici, c'est pas nécessairement de sortir Éric Duhem. Le but, c'est de lancer une course à la chefferie. Évidemment, s'il perd son vote de confiance, la plupart des chefs à ce moment-là, tu sais, leur révérence, et puis on se trouve un nouveau chef. Mais s'il veut se représenter à ce moment-là, euh, qu'il le fasse. Donc, on nous dit du 18 au 19 novembre prochain, les conservateurs de partout au Québec se réuniront à Lévis afin de définir les orientations de notre parti. Achetez un billet. Donc, OK, il faut payer pour aller là. Et c'est plus cher que vous pensez. Ce n'est pas à portée de tous. C'est pour ça que peut-être que vous avez besoin de vous concerter. Vous avez besoin de Facebook dans toutes euh, les régions géographiques. Mettez-vous en contact avec d'autres conservateurs dans votre circonscription. C'est extrêmement important. 18-19 novembre prochain, à Livy. Puis là, on nous dit 50$ pour acheter le billet. Hein? Ah, 50$, OK, c'est pas si cher que ça. T'sais, on peut. Euh, mais il y a un catch ici. Parce que les gens qui vont pouvoir voter pour le, le vote de confiance au Congrès du Parti conservateur ne sont, ceux, sont seulement ceux qui vont être en présentiel, présents à Lévis au Congrès. Donc, maintenant, au début, on nous disait que ça va être 50 Là, j'arrive, je clique pour acheter mon billet. On me dit oh, 18, 19 18, 19 novembre. OK, prévente à 150 ça inclut deux déjeuners, deux dîners, collations et cocktails. Parce que le 50 qu'on nous disait, c'est juste pour voir le congrès par Zoom. Mais si vous voyez juste le congrès par Zoom, vous n'avez pas le droit de vote, vous ne pouvez pas voter. Donc, là, il faut payer 150 il faut payer son déplacement pour se rendre à Lévis, il faut payer deux nuits à l'hôtel. Donc, pour pouvoir voter pour une course à la chefferie au Parti conservateur. Ça va vous coûter grosso modo en faisant attention au moins 500 dollars. Donc OK, maintenant 500 dollars vous donne le droit de vote au Parti conservateur. Là on vous dit ouais mais c'est pas vraiment démocratique mais ça c'est pas tout le monde qui a, qui a 500 à mettre puis deux jours pour aller à Lévis pour pouvoir voter pour dire qu'on est insatisfait du chef. Ça m'apparaît inconcevable. On dirait que c'est fait pour que les gens n'y allent pas. On dirait que c'est fait pour que juste ceux qui sont dans le, le haut de la hiérarchie du parti puissent se rendre là. Puis ça, on peut penser que ça va être des amis d'Éric Duhaime, des amis du régime. Puis là, il va rentrer comme une balle. On dirait que c'est conçu pour être comme ça. C'est effectivement conçu pour être comme ça. Qui peut se rendre? Sur place. Maintenant, vous, vous dire OK, moi, je vais payer le 500$, je vais m'inscrire, je vais y aller, je vais pouvoir voter. Non, pas encore. Ce n'est pas si simple que ça. Même si tu as ton 500$, tu dois contacter ton association de comté. Donc, tu dois avoir été membre, tu dois acheter ta carte de membre, tu ne l'as pas faite, il faut que tu l'ailles acheter cette semaine. Je pense que la date limite, en fait, officiellement, c'est 21 jours avant le congrès. Mais il faut que votre association locale, votre association de comté, faut il faut qu'il vous délègue, vous, pour aller au congrès. Donc, vous devez contacter le, votre président de, de comté, vous devez le retrouver sur Facebook, sur Internet, vous mettre en contact avec. Vous lui dites clairement que vous voulez être délégué à aller au congrès. Vous avez l'argent, et puis vous allez payer ça. C'est pas facile, là. Puis, il est minuit moins une, parce que ce président de comté qui m'a con, contacté a dit que euh, le Parti conservateur avait mis beaucoup de pression aux associations de comté pour qu'il fasse un, un congrès régional pour euh, sélectionner les délégués qui vont aller voter. Il disait qu'il voulait que ça soit fait dans le mois d'août. On est à la fin du mois d'août dans bien des, des associations de comté. C'est déjà fait. Celui qui m'a contacté, ça va se faire en fin de semaine. Donc là, c'est jeudi. Vous n'avez pas une, une seconde à perdre. Vous avez déjà votre carte. Après l'émission, tout ça, hein, vous ouvrez une autre fenêtre, trouvez c'est qui votre association de comté. Puis vous dites que vous voulez être délégué. Maintenant, le prix. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez euh, un groupe qui va peut-être financer un qui va aller voter pour vous. OK? 500 Il faut que, vous, que votre association de comté vous délègue comme délégué. Pour maintenant, il y a une autre, une autre arnaque qui va faire que ça va être de plus en plus difficile d'aller voter pour avoir une course à la chefferie. Écoutez bien ça. Il y a 125 comtés au Québec. 125 présidents, 125 anciens candidats c'est ce qu'on a, qui seront automatiquement délégués d'office, il y aura, naturellement, qui vont se rendre là, il y aura tous les anciens candidats, OK, ils vont être délégués, et tous les présidents d'associations de comté, OK? Donc, on a deux fois 125 personnes juste là. Euh, donc, on a 250 personnes en principe qui se rendraient sur place pour euh, voter s'il va y avoir une course à l'échrever ou non. Et chaque association de comté peut déléguer 10 autres personnes qui vont aller représenter votre association de comté au congrès. Donc si on a euh, 125 comtés, 12 représentants par compter, on va avoir environ 1300-1400 personnes au Congrès pour voter. Mais l'affaire, les petits « wise » du Parti conservateur qui semblent être, ben en fait, près d'Éric Duhem, qui sont là pour le protéger, pour faire en sorte qu'il continue à amener euh, les gens nulle part, ok, à veut juste faire à croire qu'on va en quelque part, mais se garer dans la, la voie d'évitement à la dernière seconde, ok la salle qu'ils ont réservée, le nombre de billets qui est disponible, tenez-vous bien, 300 personnes vont pouvoir aller au Congrès du Parti conservateur. L'avenir politique du Québec va se jouer dans les mains de 300 personnes. Mais sur les 300, il y en a déjà 250 que c'est des présidents d'associations, des présidents de comté, des anciens candidats. Donc, il resterait comme 50 places pour faire pencher la balance. Fait que vous comprenez à quel point ça va être difficile, à quel point il euh, faut que vous mettiez de la pression sur les pr pr euh, présidents d'association, que vous euh, vous dites que vous voulez y aller. Il faut pacter l'Assemblée de gens qui veulent plus, qui veulent mieux, qui veulent un leader à la hauteur de nos attentes. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui. Vous contactez votre président d'association de comté. Vous trouvez 500$. Piastres. Vous allez au Congrès pour voter pour une course à la donc contre Éric Duhem pour son vote de confiance. Ça ne sera pas facile, mais l'avenir du Québec en dépend. Euh, je, je passe le message à vous parce que si ce n'est pas ça, il va y avoir un autre congrès, peut-être deux ans plus tard, un peu, peut-être un an avant les élections. Il sera possiblement trop tard. Peut-être que si on perd ce vote-là, ça voudra dire OK, on doit, on doit fonder un nouveau parti. On ne veut pas ça parce que y a déjà, la, la structure est là. C'est déjà un bateau qui a du bon sens. On a besoin de changer de capitaine. Puis là, ils font tout pour que vous y alliez pas. Ils mettent ça bien trop cher, bien trop loin, bien trop difficile. Ils pourraient avoir 1400 personnes, vous allez être 300. C'est très, très grave. Un parti qui se dit démocratique, mais qui fait tout pour que les gens ne puissent pas voter dans ses congrès. C'est ça, le Parti conservateur. Donc, on doit changer tout ça, on doit changer les statuts, on doit changer de capitaine. Puis, on doit trouver une manière que les gens, les euh, dizaines de milliers de personnes qui sont membres, je ne sais pas qu'on à combien, 60, 70 000, que quand ils ont acheté leur carte de demande, c'était pour pouvoir voter là-dessus. Mais eux Ah oh non, il faut que vous soyez en présentiel. » à 150$ à l'hôtel, deux jours, le transport, tout ça, 500$. C'est ça le Parti conservateur. Puis là, je vais vous dire une autre affaire du Parti conservateur. Moi, le moment où euh, j'ai vraiment eu la puce à l'oreille que ça, ça allait pas du bon côté, c'est que moi, j'ai milité au Parti québécois pendant très longtemps. Puis je sais une affaire très, très, très importante à faire que Éric Duhem n'a pas faite dans les mois qui ont précédé l'élection. Il a pas fait, puis d'habitude, nous autres au Parti québécois, on met beaucoup dans, dans phase là-dessus. C'est très important, je l'ai fait plein de fois. C'est des travailleurs d'élection. OK. Beaucoup de gens se disent, OK, euh, les élections sont volées, ça ne vaut pas la peine, euh, tout est arrangé d'avance. Vous avez peut-être raison. Mais il y a moyen de faire quelque chose contre ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une grosse organisation, mais c'est la seule manière de gagner. OK. On a besoin de travailleurs d'élection, de plusieurs milliers de personnes le jour de l'élection pour gagner l'élection. Ça prend des scrutateurs à chacune des boîtes de scrutin. Il y a des milliers de boîtes de scrutin. Je pense que c'est 2000 quelques, 2500 boîtes de scrutin. Donc, on a besoin là, de 2500 bénévoles pour compter chacun des votes. Parce qu'au dépouillement, lorsqu'on rouvre les boîtes et on compte les votes, il y a un représentant des communistes de Québec solidaire, il y a un représentant du Parti québécois, il y a un représentant du Parti libéral, il y a un représentant de la CAC, il faut qu'il y ait un représentant du Parti conservateur. Au moment qu'on compte les votes, toutes ces personnes-là voient le nombre de votes. Puis on les compte ensemble, puis on le sait, on le note, on l'écrit. Il y en a tant de votes pour chacun des partis. Comment on fait pour ne pas se faire crosser? On a besoin d'une association, d'un regroupement de travailleurs d'élection qui veulent sauver les élections, qui sont des scrutateurs à ces boîtes-là. Notre association, que nous fonderons parce qu'on n'aura pas le choix, doivent... Avoir la preuve de chacun des dépouillements de chacun des boîtes, c'est-à-dire la signature des autres scrutateurs, peut-être prendre en photo le bulletin où on a les, euh, les résultats. Envoyer cette photo-là avec la photo de, des documents signés des autres scrutateurs à une entité centrale qui est haute que celle du gouvernement pour qu'on sache exactement dans chacune des boîtes, il y a eu combien de votes, exactement pour qui. Ça, ça va sauver la démocratie, pas juste pour la partie conservateur, pour n'importe quel parti qui gagnerait. Parce que comme c'est là, tous ces scrutateurs-là, puis les travailleurs d'élection, ils font ça, ils notent ça, puis après, ils donnent leur boîte puis leurs résultats à l'entité qui est le directeur général des élections, qui lui envoie ces résultats-là dans une petite boîte secrète. Puis dans cette petite boîte secrète-là, c'est pas ce qui se passe exactement. Puis qu'est-ce qui sort de cette petite boîte secrète-là qu'on sait pas ce qui se passe exactement? C'est ça qui est envoyé aux médias après puis que c'est les résultats officiels. Faut pas t'roster cette petite boîte-là qu'on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Cette entité-là, là, ça semble être corrompu là. Donc, on doit avoir une entité indépendante de scrutateur pour chacune des boîtes. Puis que ces résultats-là soient centralisés dans un, une, une entité indépendante qui peut être multipartite. Il peut avoir des représentants de chacun des partis qui fait partie de cette organisation-là, et même si ce serait souhaitable. Pour que tout le monde sache que c'est restable. Donc, on a besoin de ça. Donc. Lorsque Éric Duhem, pendant l'été, demandait des bénévoles, pas vraiment qu'il demandait des bénévoles, il faisait des discours, il ne demandait pas aux gens de s'inscrire pour venir travailler aux élections pour être capable de surveiller chacune des boîtes de scrutin. À, au moment, à ce au mois de juillet que je l'ai rencontré, que j'ai dit ça, fait Ok, il va pas parler de ça, comment ça? Moi, je savais déjà que c'était l'enjeu. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il est là pour perdre, maintenant je comprends. Donc, on a du pain sur la planche. Il faut sortir Éric Duhem, avoir un meilleur capitaine puis avoir une organisation. Indépendante du gouvernement qui va euh, surveiller de très très près les élections. Donc, c'était mon message. Ce n'était pas le bout le plus comique au monde, mais c'est extrêmement important. Donc, Parti conservateur, vous contactez votre association de comté, vous demandez c'est qui qui va être les délégués, s'il n'y en a pas, si vous faites des campagnes de financement pour financer votre présence à Québec, organisez-vous ensemble des autobus, peut-être ça pourrait coûter moins cher. Mais euh, si vous avez les moyens, c'est la chose la plus importante à faire pour sauver la démocratie québécoise. Oh. C'est le moment favori de l'émission de tout le monde. C'est le moment où je remercie les producteurs de l'émission qui, sans eux, ça ne serait pas possible de, euh, de vous produire cette émission-là. Ça me prend euh, plusieurs heures euh, de préparation, tout ça. Et puis, il faut que je donne des comptes à Madame Cosmos. Et puis, donc, il y a des gens qui... Euh, donc, je vais les remercier ici. J'ai reçu des fonds de Hervé M. OK, qui m'a envoyé. Mais ça a, été, ça, a été, ça a été bon. Il y a André E. qui m'a envoyé, lui, un montant de 50 Et puis, j'ai, après ça, Eric R., qui, lui, m'a envoyé 20 et 17 pour faire un petit clin d'œil à, 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 à. Donc, j'ai ici, évidemment, Anne. Qui m'a envoyé, elle, 20$, comme ça. Et puis, je, Laurent R. qui m'a envoyé, lui, un montant de 30$. Et puis, après ça, j'ai eu un André E. qui, lui, m'a envoyé un 50$. Donc, Lise Duval, qui, elle, m'a envoyé un 25$. Euh, Yuri J., qui, lui, m'a envoyé un 20$. Donc, un gros merci à tout le monde. Sonia A m'a envoyé 60 dollars. Je les ai pas tout encaissé parce que je suis vraiment pressé. Je travaille ce soir. Et puis, je dois faire ça rapidement. Euh, 5 dollars qui nous vient de ici. Bonne continuité. Charles Philippe, oh. Super. Et puis, euh, Isabelle, elle, qui elle m'a envoyé. Incroyable. Isabelle m'a envoyé un, euh, un gros brun. 100 dollars qui euh, me permet de faire comme si j'avais fait deux. Deux euh, birdies consécutifs, mesdames, messieurs. Euh, un gros merci à tout le monde. Donc, si vous voulez faire comme ces producteurs, puis dire Ah, oh, une fois par année, j'ai envoyé quelque chose, j'écoute ces shows, c'est important ce qu'il fait. Euh, ben, c'est possible de le faire. C'est euh, à Cosmos. Donc, ça va être un transfert Interact qu'on va faire. Ça va être à Cosmos Show. À commercial, je vais vous mettre l'adresse à l'écran. OK? Donc, euh, l'adresse est en bas. Mon père, il me dit on ne sait pas comment faire. Donc, papa, tu dois m'envoyer un encouragement pour le Cosmos Show. Tu vas dans ton application de téléphone ou sur le site Internet, tu sélectionnes Transfert Interact. À ce moment-là, ils vont te demander, soit mon numéro de téléphone, ben toi, mon papa, tu l'as, là, mais c'est pas ça. La plupart du monde n'ont pas mon numéro de téléphone, ça va être mon adresse email que vous allez écrire, donc c'est un ou l'autre, téléphone ou email, ça va être email. Vous écrivez Cosmos Show à commercial.protonmail.com. Après ils vont vous demander une question secrète. À cette question vous marquez n'importe quoi. À la réponse, non, moi j'aime ça quand vous écrivez, c'est qui le meilleur, moi je réponds Cosmos. Ok Puis Là vous mettez le montant que vous voulez pour produire les émissions. À du showbiz 2.0 parce que l'ancien showbiz est terminé. Sinon, vous pouvez me suivre sur Locals, LawCalls.com, chercher Cosmos Info et puis de cette manière-là, vous pouvez payer par carte de crédit et puis c'est 8 par mois récurrent. Puis vous avez une émission de Popstar et l'Occulte en bonus pour vous, pour mes supporters sur Locals. Donc un gros merci à tout le monde. On retourne à l'émission. On revient dans un instant. Un petit mot, un petit mot. Un petit mot maintenant pour vous dire attends là si vous entendez un bruit de criquet dans les prochaines minutes sachez que ce n'est pas un effet spéciaux c'est un criquet quelque part dans mon garage elle hey, sait pas il est où on dirait quand je parle de lui il se tient tranquille je vais m'en mettre à parler d'autre chose il va repartir c'était pour vous avertir donc maintenant je vais vous parler de X l'ancien Twitter Twitter est mort X maintenant euh, les gens Regardez où ça s'en va, ça semble vraiment pas s'en aller du bon côté. Vous savez, moi, je n'ai jamais fait confiance à Elon Musk, je ne fais pas confiance à l'histoire qu'on nous raconte de lui, je ne fais pas confiance à son programme spatial, je ne fais pas confiance à sa mère, je ne fais pas confiance à son ex, Grime, je ne fais pas confiance à ses costumes, soit au maître dans lequel c'est écrit Nouvelle Ordre mondiale, ou son autre costume d'un autre gala où il est en Lucifer. Je le trosse pas pantoute. Bien sûr, il a fait des très bonnes choses pour moi à date. Depuis un an, euh, il est très populaire auprès des gens conservateurs, des pro-Trump, euh, des, euh, des trouters, des gens qui sont euh, à robe poil avec euh, le gouvernement, les rebelles. Donc, très populaire. Donc, moi, il me fait passer mes, mes abonnés, par exemple. Je suis dépassé le cap des 8000. Euh, Il okay, y a un potentiel d'avoir des vidéos qui sont vues par des centaines de milliers de personnes. Ça a un immense potentiel. Et pour l'instant, au moment où euh, je fais cette vidéo-là... C'est euh, Tony Truant. Hein? Euh, ça roule très, très fort. Comme là, probablement que ce soir, euh, il, ben là, j'enregistre ce mercredi ce segment-là. Dans quelques minutes, il va y avoir Trump qui va parler à Tucker Carlson. Je sais déjà que demain, on va analyser les chiffres. Puis Tucker va avoir fait, je sais pas, dix fois mieux que Fox avec Trump là-dessus. Il y a moyen de faire des choses fantastiques. Il y a moyen que si vous êtes toute seule chez vous, vous avez une idée. C'est mis là, ça passe, c'est vu par des millions de personnes, puis ça a le potentiel de changer des choses dans le monde. Donc c'est un outil incroyable. Mais cet outil-là, en ce moment, il est pas mal libre. Et puis, il a changé quelque chose de fondamental dans le réseau social. C'est que jusqu'à présent, les réseaux sociaux, c'était les gens vont là, partagent des choses là, mais sont... Et le réseau social, lui, il lui envoie de la pub à lui. Donc, la... Donc qu'est-ce qui est gratuit sur Internet Ça veut dire que c'est vous le produit. Donc, pour Mark Zuckerberg, sa valeur, c'est que les gens sont là et il est capable de les influencer à tous les jours. La valeur est là. Elon Musk a eu une idée un peu différente. Il dit au lieu que ça soit gratuit être là et vous êtes le produit, ben il dit aux gens payez-moi un montant. Au Québec, je pense c'est comme 17 dollars canadiens. Pour être membre de mon affaire, ça ça va vous donner des avantages que d'autres n'ont pas. Vous pouvez mettre des vidéos plus longues, des textes plus longs, des choses que vous juste vous, puis peut-être vous allez être encore plus vu et en plus si vous êtes beaucoup vu, puis vous êtes populaire, ben on va vous donner de l'argent qui vient des publicités. OK, on va vous payer. Donc ah là, donc pour bien des créateurs de contenu, ok, ben là c'est peut-être un avenue dans lequel je pourrais gagner ma vie, faire des vidéos exclusivement sur X pour être vu sur X. Puis euh, comme par exemple Max Gold, il commence ça, il va essayer ça, de vivre avec les revenus de X. sois de bonnes chances. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça Et puis l'histoire de Laura Loomer va nous l'exprimer à, à merveille. C'est que là, depuis un an. OK, il y avait les normies les gauchistes qui avaient leur réseau Instagram, TikTok, Facebook, Google, tout ça les gauchistes. Là, il y avait un autre réseau qui a là, c'était les gens de droite qui allaient plus puis sur lequel on fait la plus puis le beau temps, les gens de droite, c'était Twitter. Donc les gens de Twitter détestaient les gens de Facebook, les gens de Facebook détestaient Twitter, c'est ça. Là, tous les conservateurs, tout le monde de la droite, on s'est tous ramassés sur Twitter. Puis là, il a dit, OK, les plus populaires, on va vous payer, vous allez pouvoir faire de l'argent, vous pouvez dire ce que vous voulez, tant que c'est légal. Jusque-là, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'on comprend avec l'histoire de Laura Lohmer et Brian Crestenstern et Elon Musk, c'est le système de crédit chinois qui s'installe. C'est-à-dire, tout le monde est là, tout le monde paye, tout le monde veut faire de l'argent. Une fois que tu as ton crochet bleu, tu peux faire de l'argent sur X comment faire de l'argent sur X. Donc, lorsqu'on mélange opinion personnelle des gens ou opinion politique et monétisation, mais là, il y a des possibilités que des fois, si on veut dire quelque chose à une opinion, soit culturelle ou politique, qui serait contraire à l'algorithme qui fait en sorte que tu vas être vu beaucoup, puis tu vas recevoir beaucoup d'argent, tu vas être tendance à dire quelque chose qui va te faire rapporter de l'argent. Donc, si tu dis des choses qui sont populaires, tu vas être beaucoup plus vu, populaire aux yeux de l'algorithme qui va décider. Parce qu'on a appris. Elon Musk, bon, il a géré ça à sa manière les premiers mois. C'était le free for all, c'était belle fun. Là, il a engagé euh, une nouvelle CEO qui nous vient directement du World Economic Forum, Linda Yanopoulos, quelque chose comme ça. Donc, elle, Young Global Leaders, ont fait Oh, là là là, ça sent la merde. Parce qu'elle, regarde, euh, elle a été drillé comme, comme Macron comme Trudeau okay? comme les young global leaders partout dans le monde là. donc c'est une gauchiste qui est en charge de Twitter mais là on a Elon Musk au dessus qui fait non non ça va être tout le temps libre euh, pas obligé tu peux toujours être anonyme puis euh, c'est la liberté d'expression totale mais ce la personne qui a engagé qui ronne vraiment la patente, elle elle pense pas ça pantoute. Elle ce qu'elle veut, c'est d'avoir le plus de revenus publicitaires possible. Puis elle ce qu'elle dit, c'est que là vu que le monde dit des affaires là de droite là, mais ben les annonceurs ils veulent pas venir, ils veulent pas venir s'annoncer à cause de ça. Fait que là ce qu'elle dit, c'est qu'elle a dit OK, on va permettre à tout le monde de s'exprimer selon la loi dans la liberté d'expression, mais c'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité d'être vu. Donc comme ça, on va les annonceurs, ils vont plus vouloir parce que sur leur page, ils verront pas passer des messages pro-Trump, par exemple. Donc, on va permettre aux gens de dire des choses qui dit. On va permettre des choses qui sont On va éliminer ou rendre invisibles. C'est ça. On va enlever de la visibilité aux choses qui sont lawful but awful. C'est-à-dire selon la loi, mais dégueulasse. Selon la liberté d'expression, tu as le droit de dire des choses dégueulasses. Tu n'as pas le droit de dire que tu tueras un groupe en particulier, comme mon de des Grenoble offerte, mais tu peux dire, tu peux insulter tout le monde. C'est ça, la liberté d'expression, dire des choses qui sont dégueulasses. C'est ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais ça, on ne donnera pas de visibilité à ça. Puis, qui décide qu'est-ce qui est awful? Bien là, c'est l'algorithme, il est géré par le... L'intelligence artificielle qui, elle, est d'extrême gauche ou veut faire avancer l'agenda. Donc, c'est un créateur de contenu qui est très populaire, comme Lara Loomer. Lara Loomer, elle a euh, 500 000 abonnés. Lara Loomer, c'est une mouchamarde. Escadron mouchamarde, une reine des mouchamardes, mais extrêmement efficace. Elle va où la marde est. C'est une pro-Trump, maga, conservatrice, juive de Floride, elle s'est présentée aux élections, elle a été la personne la plus bannie au monde. Elle ne pouvait même plus prendre l'avion à quel point elle va intensément dans ses reportages. Une journaliste également elle fait plein de vidéos et puis elle dénonce plein de monde dans le Parti républicain, dans le Parti démocrate. Elle est partout elle est, elle est très, très, très féroce. Donald Trump l'adore, je l'aime bien aussi. Elle travaille souvent avec Alex Jones aussi. Aujourd'hui, elle est avec Orange Warriors, à InfoWars. C'est une puissance. Suivent la. Euh, est agressive, mouche marde. Euh, comme elle s'en est pris très, très fort à Majority Taylor Green récemment. T'sais, des fois, elle s'en prend à des gens que tu t'attends pas à qu'elle n'épargne elle, elle personne. Et puis là, vu qu'elle est pro-Trump et tout, pis elle a réalisé que les Chums d'Elon Musk, puis Elon Musk lui-même, lui, il est pro de Santis. Puis ses amis, son entourage, qui sont pro de Santis, eux autres, ils, ils braguent ils ont reçu des centaines de milliers de dollars en argent de revenus publicitaires. De Elon Musk pour la publicité de leur tweet, mais la Loomer, elle, est pro-Trump et elle a des très, très, très gros chiffres aussi. Et puis, elle a dit qu'elle a, a eu a des vidéos qui a très souvent plus que 2 millions de vues. Elle a des vidéos entre 500 000, et 2 millions, très souvent des très, très, très gros chiffres. Puis elle, elle reçoit juste 190$. Parce qu'elle est pro-Trump. Mais si elle faisait la même chose qu'elle faisait là, mais était pro de Santis à frais des centaines de milliers de dollars. OK? Fait que c'est très tentant pour quelqu'un qui veut faire de l'argent de mettre son, son opinion du côté où ça va faire de l'argent. C'est ça qui est très, très, très dangereux. Parce que là, lui, ce Brian-là, c'est un extrême gauche. Lui, il a fait de la grosse argent. Puis il est chum de Elon Musk. Puis Elon Musk, il, il, il interagit avec des gens vraiment louches. Comme il y, y a Yan Miles qui retweet souvent, lui, ce qu'il fait, là, y a, ou Yan Chung Miles, Stingray Rig s'appelle. Still je pense. Non, lui, là. Lui, là, c'est exactement ça qu'il fait de sa vie, c'est un grifter. Ben, 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 du monde le suit, 730 000 abonnés. Maintenant, il a compris que ce qui était populaire, c'est de mettre des affaires conservatrices, mais pas trop. Puis dénoncer des affaires de pédophiles. Mais avant, là, lui, il y a eu plein de tweets pédophiles qu'il a fait. Puis lui, ce qu'il fait, là, il vole des vidéos à n'importe qui, il télécharge, puis il leur met en son propre nom. OK, pour avoir de la cloud. Puis là, tout le monde le retweet, il vole des vidéos aux gens. Mais lui, c'est un super bon ami à, à Elon Musk. Elon Musk interagit souvent avec lui. Il y a également, euh, il, y a, il, y a, il y en a d'autres qui, euh, son entourage proche, il y en a un autre euh, qui, qui utilisait des robots pour devenir plus populaire. Puis encore une fois, lui interagit beaucoup avec Elon Musk. Elon Musk, il nous disait qu'il était pour l'éliminer les robots. Il n'a jamais fait ça. Elon Musk, qui nous a dit qu'il était pour faire le ménage euh, du spam. Pas fait ça. Euh, la, la porn est encore là. Donc, ce que ça nous amène, c'est qu'il dit OK, embarquez toutes, puis maintenant, si nous autres, on va vous dire, dites ça, vous allez recevoir de l'argent, dites ça, vous ne recevez pas d'argent. C'est le début du système de crédit chinois. Puis là, en plus, il y a, la, cette semaine est arrivée la grosse euh, rumeur qui dit que euh, Elon Musk va maintenant euh, demander aux gens de s'identifier formellement avec une, un selfie et une photo d'identité du gouvernement. À ce moment-là que ça arrive, qu'on ait des aliases comme Cosmos Info ou non, ça ne servira plus à rien. On ne sera plus anonyme sur Internet. Si on dit quelque chose que la police trouve que ça n'a pas de bon sens, surtout si on est conservateur, si vous êtes d'extrême gauche, vous pouvez dire que vous pouvez tuer du monde. Il n'y a aucun problème. On le sait maintenant. Parce que là, maintenant, on va être une gang de mouchamards pour essayer de régler ce problème-là. Là. Mais bon. Mais si vous êtes conservateur, la police peut venir vous chercher n'importe quand. À date. Puis, il a aussi Elon Musk qui a dit qu'il était pour enlever le bouton bloc. Il ne l'a pas fait à date, puis il n'a pas demandé aux gens de s'identifier vers une carte du gouvernement. Il ne l'a pas annoncé, lui, encore personnellement, ni son entourage. Au moment où ça l'arrive, ça va être la fin, le début de la fin pour X, parce que les gens vont vraiment savoir que c'est le système de crédit chinois qui va être là. Tant que c'est pas fait, ce n'est pas fait. Moi, je reste sur X tant que c'est pas fait. Au moment qu'ils vont me demander de me mettre mon numéro d'assurance sociale, puis tout. Euh, je crois que ça va être terminé pour moi. Euh, je veux pas être de ceux qui disent bye bye Twitter pour plus jamais, euh, puis revenir euh, la queue entre les jambes quelques semaines plus tard, comme beaucoup de gens font. Beaucoup de gens. Euh, Diaz récemment, Sébastien Diaz, la momoune qui sort avec la pitoune. Ça, ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est comment que c'est blonde, une super belle fille, Sébastien Diaz. Là. Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait avec un gars aussi efféminé de mon monde que lui? Anyway, il y en a plusieurs qui ont dit qu'il quittait Twitter, c'est terminé, puis ils reviennent la contre les jambes. Je ne ferai pas ça. Euh, je, à date, d'après moi, là, je pense qu'il a envoyé le, des ballons pour voir comment les gens réagiraient à l'histoire du bloc. Je pense qu'il ne le fera pas vraiment. Puis s'il si demande aux gens de s'identifier vraiment, bien là, on va falloir se retrouver euh, sur d'autres réseaux qui sont plus libres. On va laisser faire ça parce que là, les gens ne voudront pas faire ça, surtout pas les conservateurs qui sont réveillés. Donc, on va se retrouver sur euh, Telegram, encore une fois. Donc, euh, suivez-moi sur Telegram, on ne perd pas ça. On va reprendre les activités sur Getter que j'avais abandonnées depuis quelques mois. Euh, Gab peut-être. True Social. Il y aura d'autres choses. Euh, parce que ça ne s'en va vraiment pas sur le bon côté. Tant que ça marche bien, puis qu'on ne nous demande pas de nous envoyer notre numéro d'assurance sociale à la police pour pouvoir euh, envoyer un message, ça va. Si ça va là, ben, ça sera un autre discours. Donc, c'était mon opinion sur Elon Musk, je ne le trosse pas une seconde. Il y a... Si j'avais un cas à faire, là, à savoir là, dans l'histoire des livres, des révélations, c'est qui l'antéchrist? ben mon guess, mon guess, ce serait Aaron Man, à la, euh, Elon Musk lui-même, que tout le monde va suivre, et puis qu'il euh, va nous amener la marque de la bête. J'espère me tromper. J'espère que. Ça, il n'y a pas d'apocalypse. Là, on va repousser, puis ce ne sera pas en 2023, 2024, jusqu'à 2030, l'apocalypse. Non, ça va être en l'an 3000. J'espère que c'est ça. Mais pour l'instant, on dirait qu'on est dedans. Puis s'il y a quelqu'un qui ressemble à l'Antéchrist, que tout le monde va suivre spontanément, elle ressemble à Elon Musk. Et voilà. Donc, X, la marque de la bête, peut-être. On se revoit dans un instant. Segment obsolescence des médias, mon dada, ma spécialité. Les médias s'écroulent, on les encourage, on rit d'eux autres et à chaque semaine c'est pire, chaque semaine c'est plus évident. On y va euh, donc, là on est jeudi lorsque j'enregistre ce segment. Hier soir il y avait évidemment l'entrevue historique. En fait, euh, le coup de jarnac de Tucker Carlson et Donald Trump à Fox News et au Parti républicain, c'est incroyable. Donc, on est 12 heures après euh, le moment où Tucker Carlson a mis cette entrevue-là en ondes. Et au moment où je vous parle, il a, cette entrevue-là a été vue ou au moins affichée sur euh, X 185 millions de fois, tout près de 186 millions de vues. Et les codes d'écoute du débat républicain en Fox News hier étaient moins de 3 millions. Donc, je ne suis pas bon en maths, mais c'est comme 60 fois meilleur, 60 fois meilleur code d'écoute de Tucker Carlson sur X avec Donald Trump versus le poste de télévision Fox News qui était à l'époque le plus populaire. Donc... Euh c'est une raison de plus de comprendre que les jours sont comptés des médias traditionnels et que c'est sur Internet que ça se passe, c'est des médias alternatifs. Tucker Carlson, maintenant un blogueur, un collègue de X, Tucker, super job, excellente entrevue, il lui a demandé, entre autres hier, s'il avait peur de se faire tuer parce que les démocrates ont tenté de l'arrêter quatre fois, donc aujourd'hui il va se faire arrêter une quatrième fois, vous allez voir les images, Laura Loomer va tout nous rapporter ça. Euh, c'est le cirque médiatique. Il a complètement. Euh, même, même Léger, l'infâme propagandiste de Léger Marketing, a dit que Trump était un génie de la communication. Et euh, c'est tout à fait vrai. Donc, euh, mais hier au débat, par contre, il y a un personnage qui s'est euh, euh, qui, qui démarqué c'est Vivek Ramaskwani. OK? Um, qui était le seul à avoir le courage de euh, dire complètement le contraire des autres? C'est le seul qui était sur le panel du débat républicain hier qui a dit qu'il ne voudrait pas envoyer d'argent supplémentaire pour la guerre en Ukraine. Tous les autres, incluant Ron DeSantis, ont dit que oui, il fallait donner plus d'argent à l'Ukraine pour qu'ils combattent la Russie. Donc, ils sont tous dans la cabale mondialiste, à part Trump. Et Vivek, qui a euh, gagné le débat haut la main euh, hier, euh, il a vraiment dit, il est devenu Vivek, a fait la campagne, il est en train de devenir ce que Ron DeSantis aurait dû devenir, euh, lui qui s'écroule en ce moment euh, d'une manière vraiment pathétique. Euh, Puis je vais vous mettre un, un, un moment, le moment qui m'a touché le plus de Vivek hier, euh, parce que c'est euh, un genre de discours que je dirais moi-même. Euh, que tu sais ma job de parent de père de famille c'est et de loin ma job la plus importante dans la vie c'est le sens de ma vie c est, c est, je vous encourage si vous cherchez à vous demander pourquoi vous êtes sur la terre faites des enfants c'est la réponse à tout c'est fantastique il est père de famille également et voici ce qu'il va dire de la famille euh, parce que lui, il va dire qu'il y a eu le, le privilège ultime dans la vie, comme moi. Parce que moi, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous savez, mais je suis l'homme le plus chanceux sur Terre. Oui. Je suis extrêmement chanceux. Parce que j'ai eu deux parents qui ont du bon sang, qui ont resté ensemble, qui m'ont élevé correctement, puis qui m'ont donné la chance de m'épanouir et de, de devenir l'humain que je suis aujourd'hui. C'est le privilège ultime. C'est ce que Vivek va nous dire. Je l'ai fait sous-titrer par euh, euh, Scribot. On à Ça dure secondes. I didn't grow up in money. But you know, the word privilege gets used a lot. Well, you know what? I did have the ultimate privilege of two parents in the house with a focus on educational achievement. And I want every kid to enjoy that. So part of the problem is we also have a federal government that pays single women more not to have a man in the house than to have a man in the house contributing to an epidemic of fatherlessness and i think that goes hand in glove with the education crisis as well because we have to remember education starts with the family and the nuclear family is the greatest form of governance known to mankind la famille nucléaire est la meilleure forme de gouvernance de l'histoire de l'humanité donc un candidat ici 100% pro famille Euh, disco qui me touche beaucoup. Il a gagné beaucoup de points durant la campagne. Il est euh, vice-président euh, matériel. Euh, Est-ce que ça sera Kerry Lake? Mais Vivek, euh, si Trump n'était pas là, Vivek, euh, c'est de loin celui qui a fait la meilleure performance et la meilleure campagne et qui semble dire les choses les plus vraies. Euh, parce que là, il y en a beaucoup de gens qui disent que Trump, Trump est pas allé. Au débat, mais c'est pas vrai. On a des images ici exclusives de l'arrivée de Trump au débat républicain après Tucker. Hein, qui... de Donald Trump au débat républicain. Ça fait penser à des Live, Roddy Roddy Piper dans des Live. On dirait que c'est lui, mais hein, c'est Trump. On voit bien son visage, Il est armé d'une arme tronquée, et puis euh, voilà. Gunsta, non, pas bien I have come here to chew bubble gum and kick ass, and I'm all out of bubblegum gum. Four, ça c'est un meme de C3P meme, un excellent. Donc, euh L'internet a gagné mais d'une manière incroyable. En passant, vous voyez mon Twitter ici. Cette semaine, j'ai passé la barre des 8000 abonnés. Très heureux de ça. Si vous faites pas partie du parti, venez me rejoindre. On a du gros fun là. Et moi, j'étais super épaté d'avoir 8000 parce que quand j'ai commencé j'avais quelques centaines d'abonnés. Puis je me disais, ah, ce serait le fun d'avoir peut-être 1000 abonnés un jour, ce serait le fun parce que les plus populaires dans la résistance avaient à peu près ça, 1000, 1500 abonnés, je me rappelle. Je ne sais pas, mon princesse Corona qui avait ça, ou euh, Tiger, 1500 abonnés. J'espère un jour me rendre là. Puis là, quand je m'ai rendu à 1500, je fais, OK, ben là, je suis rendu, c'est cool. Puis là, je regarde eux autres, Tiger, par exemple, ou Caroline Lessard. Ah là, eux autres, ils étaient rendus à 5-6 000 abonnés. Ah, ben là, là, moi aussi, là, je me rends à 5-6 000 abonnés. Eux autres, ils étaient rendus à 12 000 abonnés. Là, moi, je suis rendu à 8 000 abonnés, mais. Euh, Caroline Lessard, par exemple, ou Tiger, ou euh, bien du monde sont en haut de 20 000 abonnés. Donc, on est, on dirait, des milliers de personnes, qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Parce que 8 000, ça semble beaucoup, mais on est littéralement plusieurs centaines dans la résistance à avoir des chiffres semblables à ça. Donc, notre réseau est très, très fort. Et à chaque jour, euh, il est plus. Donc, si vous ne euh, suivez euh, pas euh, Cosmos sur euh, X, c'est euh, Cosmos Capitaine.

Ça, quand je vous parle du journal de Montréal, ça me fait toujours penser à la pub de Roquet-Belzoreil qui disait « Ça, c'est un Joe Louis. Ça, c'est un gros Pepsi. Puis ça, c'est le journal de Montréal. Cré-chubin. » Le journal de Montréal. Cré-chubin. Ça ne s'est pas amélioré depuis, même que c'est bien, bien pire. Avant, c'était juste un journal de merde. Maintenant, c'est un journal de mensonges qui amène les gens vers le communisme. Là, après n'y de prison. Eh bien, il y a Guy Fournier ici qui s'en rend compte et puis il va nous l'expliquer ici. Guy Fournier <laughs> Guy Fournier, grande carrière en télévision, euh, ex de, de l'autre chroniqueuse du journal de Montréal, Louise Deschâtelets, qui nous a chié sa tête pendant la pandémie. Guy Fournier n'a rien dit, parce que lorsque Julie Snyder nous a dit qu'il fallait appeler la police quand on voyait un non vacciné, Guy Fournier n'a rien dit. Son frère, son frère a été dans les plus haineux également du showbiz québécois. Puis au moment que son frère est mort, on y a chié sa tête, mais solide. On a pissé sur sa tombe. On a complètement détruit euh, son, euh, son souvenir euh, d'une manière indélébile. Et Guy Fournier, lui, est toujours en vie. Pour combien de temps, l'avenir nous le dira, <laughs> Guy Fournier, qui avait perdu sa méga grosse job comme dirigeant chez Radio-Canada, il y a une dizaine d'années, on s'en souviendra, lorsque il avait fait l'affirmation suivante, il avait dit que déféquer, donc aller chier, ça fait tellement de bien que c'est comparable à un orgasme. Puis là, les gens ont trouvé ça n'a pas d'allure. Puis finalement, il a dû... Il était tellement dans la avec ça qu'il a dû quitter la tête entre les jambes. Même pas torcher. Mais là-dessus, Guy, là-dessus, Guy Fournier, j'étais avec toi. Là-dessus, j'étais avec toi. Je me disais, c'est vrai. C'est vrai, Guy. C'est vrai que ça fait du bien chier. Lorsque moi, moi-même, après un gros étron char, puis je me dis, ah. tu viens de braquer un truc avec ta plein de turcs tu as dû te faire tuer, aussi. Ça fait vraiment des biens, des chiens en coup. Vous croyez en Dieu? Il ne faut pas se demander si on croit en Dieu. Mais si Dieu croit en nous? Là, je cite le film La Haine. Mmh, ça fait du bien de chier un peu. Ça, à mon avis, tu mérites pas de perdre ton emploi pour dire que tu aimes ça chier. C'est bien normal. À mon avis, de perdre ton emploi lorsque tu dénonces pas le fascisme sanitaire, entre autres, lorsque tu dénonces pas. Euh, le gouvernement, qui devient de plus en plus tyrannique, à mon avis, devrait perdre ton emploi là. Mais on sait dans quel monde on vit. Voilà Guy Fournier qui nous parle de la situation des médias. Et c'est délectable, on y va comme ça. Maintenant que Meto a coupé les nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram, Ottawa s'affole. Lundi, en conférence de presse, le Premier ministre Trudeau lui-même a qualifié le geste de méthode d'inacceptable. Puis Pablo Rodriguez, Head and Shoulders Rodriguez, nouveau ministre des Transports et père du projet de loi C18, ayant déclenché les hostilités, en a remis. La décision de Meta est inacceptable, a-t-il dit, alors qu'il y a une situation d'urgence. Il faisait allusion au feu de Kelowna et de Yellowknife. Vous savez, ces fameux feux qui nous viennent directement du ciel, qui euh, démarrent tous en même temps, comme au Québec on a eu, comme à Hawaï, lorsqu'on annonce qu'on pour faire une ville euh, 15 minutes, et puis ça va être un projet pilote, on veut, euh, tu sais, il faut faire Build Back Better, donc il faut reconstruire de nouveau mieux, mais pour reconstruire, on doit auparavant tout détruire, donc c'est ce qu'on fait. Mais là, ici, on ne fait à craindre qu'évidemment que c'est le changement climatique. Personne ne l'achète. Les changements climatiques, ce mensonge est usé à la corde, on le sait. Maintenant. Ensuite, c'est Pascal Saint-Onge, la nouvelle ministre du patrimoine, qui a écrit sur X que Meta doit recommencer à publier les nouvelles sur les plateformes pour la sécurité des Canadiens. Catherine tay PDG de Radio-Canada, fut la plus pathétique avec une entrevue au Washington Post. Ce que Meta a fait, c'est l'équivalent de nous enlever votre téléphone ou votre radio. Et elle a supplié Meta de renoncer à son geste, au moins jusqu'à ce que le danger des forêts ait disparu. <laughs> C'est comme si le danger des feux de forêt m'en était pour disparaître. Ils font partir comme ils veulent. Ils peuvent mouiller. Ils peuvent avoir de la neige encore dans le bois puis ils font partir pareil. On Ici, on le voit au Québec. Il y a encore de la neige dans le bois quand les feux ont commencé. C'est impossible. Anyway. Mais il vous il voit clair, là. C'est bon son affaire. Sur un plateau d'argent. Voilà des appels que je m'explique mal au moment où la loi, qui n'est pas encore en vigueur, entend... Ponctionner les revenus de Meta en compensation des nouvelles canadiennes que diffusent ces plateformes. Pourquoi faire payer quelqu'un qui vous rend service? Si Meta et compagnie avaient besoin d'un argument pour s'opposer à une loi qui les forcerait à compenser les médias, on leur a servi sur un plateau d'argent. Donc, lui, il est complètement contre la loi C18, même s'il est au journal de Montréal, il comprend qu'ils sont dans gros grosse marde, qu'ils sont à genoux puis qu'ils ont perdu. De tous les appels à l'aide, plus ou moins déguisé, c'est celui de Mme Trey qui m'étonne le plus. Par quelle aberration le diffuseur public s'est-il rendu à ce point dépendant de Facebook dans les territoires du Nord-Ouest? C'est par Facebook que les diffuseurs rejoignent 41 000 des 46 000 habitants des territoires, plutôt par que par sa propre plateforme, CBC ne manque pourtant pas de moyens. Je souligne à Mme Trey qu'en 1936, la CBC trouva les moyens de diffuser pendant trois jours, toutes les demi-heures, des reportages radios de deux minutes sur les, des mineurs emprisonnés dans une vieille mine de Moose River en Nouvelle-Écosse. C'est le premier exemple au monde d'information continue. Les topos du rapporteur Frank Willis furent suivis par 100 millions de personnes à travers la planète. À l'époque, Madame Trey, il n'y avait ni Facebook, ni Internet, mais la radio publique, savait se débrouiller. C'est bon, Guy, c'est bon, lâche pas. Un retard honteux. C'est une honte que le Canada, qui fut au 20e siècle un pionnier en matière de communication, soit maintenant à la remorque des géants d'Internet pour l'information de ses citoyens. En 1932, c'est le gouvernement conservateur de Richard Bennett. Mettez ça dans votre pipe, M. Poliev, qui créa la commission de radiodiffusion. Elle est l'ancêtre de Radio-Canada, qui vit le jour quatre ans plus tard. Puis Ottawa crée l'Office national du film qui permet au Canada d'être le premier pays au monde à renseigner ses citoyens par euh, l'histoire du cinéma. Petite parenthèse ici sur euh, bon, les, les, la création. D'organismes de propagande d'État, il y en a qui ont fait des bonnes affaires, comme l'OM, l'Office national du film. L'Office national du film, si vous ne savez pas, c'est quoi? C'est un organisme qui finance des films de propagande d'État par le Canada, mais il y a moyen de faire des bonnes affaires. Si vous ne savez pas, c'est où l'Office national du film? C'est sur le bord de l'autoroute métropolitaine, où c'est tout le temps jamais. C'est tout le temps jamais, un petit peu en s'en allant vers l'est. On voit l'Office national du film, puis il y a tout le temps des accidents. Ça vous pourquoi il y a toujours des accidents? Parce que le monde, ils sont sur l'autoroute, font. Ah, l'Office national du film. Ah, ces sites font des sites de films plats. Pow, Fonce dans l'eau. Puis là, ça fait un, un, un bouchon de circulation. Ok, ça, c'est une joke volée à Michel Barrette dans les années 80. Shout out, Michel Barrette. <laughs> ok, qui permet au premier Canada d'être le pays au monde euh, à faire des films de propagande. Autre affaire intéressante sur l'ONF, il est arrivé euh, quelque chose d'incroyable. En 1972, un réalisateur euh, légendaire qui s'appelle Gilles Carl, travaillait pour l'ONF, devait faire un film sur le déneigement à Montréal. Donc il a fait acraire à l'ONF qui était pour faire un film de propagande sur comment ils sont bons pour déneiger à Montréal, mais il a pris l'argent. Puis il a fait un film fantastique, euh, un, un film de fiction avec ça. Il a détourné l'argent pour faire un film fantastique qui s'appelle euh, La vie de Léopold. Euh, je vous trouve ça, c'est important. La, parce que là, je pour l'anecdote, le nom du film, c'était quoi? La vie fabuleuse de Léopold. Rose. Gilles Carl. Je vais vous trouver ça à l'instant. Premier film. C'est. La vie heureuse de Léopold Z. Un film euh, tout à fait euh, fantastique qui a été fait avec l'argent euh, de l'ONF pour faire un film de propagande, mais lui, il a décidé de faire un film magnifique là-dessus. C'est l'histoire d'un déneigeur à la veille de Noël qui euh, va trouver le moyen. Euh, il doit faire ses derniers achats de Noël pour Noël à travers ses runs de déneigement. C'est un film magnifique, mais c'est un détournement. D'argent faite par Jules Carl Donc, euh, fin de la parenthèse concernant l'Office national du film. Maintenant, dès 1958, le signal télévisé de Radio-Canada pouvait être capté partout au pays. En 1972, Télésat, société euh, créée en 1969 par Ottawa, lança ANIC, premier satellite au monde à prendre en charge les télécommunications domestiques. Si le gouvernement d'Ottawa avait été visionnaire comme ses prédécesseurs, ils auraient créé depuis au moins une décennie un agrégateur national d'informations qui aurait donné accès à l'ensemble des nouvelles canadiennes. C'est le rôle que se sont donnés Meta, Google et compagnie, et qui met ainsi 60 des revenus publicitaires au pays. Est-ce trop tard? Donc, lui, il dit que le Canada aurait dû créer un genre de site où toutes les nouvelles sont là, mais évidemment, ça ne servirait à rien parce que toutes les nouvelles sont les mêmes, ce n'est que copier-coller. Donc, sur ce site-là, il y aurait le même article copier-collé de divers médias avec un en tête différent. Peu importe. C'est terminé. Guy Fournier s'en rencontre. Il sait qu'ils sont à genoux devant Meta. Nous voilà à genoux devant Meta et compagnie. Tu vois, clair, Guy Fournier. Pis, t'aimes ça chier, puis ça te fait du bien, puis moi aussi, je trouve que ça fait du bien chier. Je suis avec toi et Guy Fournier là-dessus. On a ri de ton frère. On va rire de toi aussi quand tu, vas, quand, quand tu vas prendre ta retraite, quand tu vas mourir, parce que tu nous as chié sa tête, tu ne nous as pas défendus. Mais au moins là, tu comprends que ta gang c'est terminé. Vos jours sont comptés, on a bien hâte que ça soit terminé. Maintenant, dans un peu la même euh, ligne d'idée, euh, bon, vous savez, dans les dernières semaines, là, à chaque semaine, on va perdre un nouveau média. Euh, ben, pas un nouveau, il y a un média qui va fermer. Là. Cette semaine, on a appris que c'est la station de télévision VRAC TV, c'est terminé. Euh, la plupart des autres canaux spécialisés vont tomber un après l'autre. Euh, dans la prochaine année, c'est écrit dans le ciel. Euh, bon, il y a le journal Métro qui est mort. On a appris aussi cette semaine la fin des bulletins de nouvelles de fin de semaine à nouveau. Donc, puis la, la, la semaine n'est pas terminée, la journée n'est pas terminée. Il y a encore très certainement un grand nombre de journalistes qui vont être au chômage et on s'en réjouit. Maintenant, même les stations qui historiquement faisaient de l'argent, historiquement du pain et des jeux, du sport professionnel très populaire, la station qui appartient à Bell Media, qui fait les sports au Québec. Au Canada, c'est TSN, au Québec, c'est RDS. On dit que des pertes de 9 millions pour RDS et TVA Sport. Là, on se dit, OK, en lisant le titre, on se dit, OK, si on met TVA Sport et RDS ensemble, ils ont perdu 9 millions. Non. Ils ont perdu 9 millions chaque. Écoutez bien ça. La télé sportive québécoise traverse une mauvaise passe sur le plan financier. L'encre rouge, rouge comme rouge FM. Qui teinte la, finan... la performance financière de TVA Sport depuis les débuts de la chaîne vient d'inhiber les résultats de RDS. Donc, TVA Sport, c'est sur le respirateur artificiel depuis le début. Ils n'ont jamais fait une scène. C'est des centaines de millions de dollars qui sont perdus pour que vous puissiez voir la face du gros Jean-Charles à Tivision, lui qui voulait venir nous pâter à, à à manif du 2 mai, on s'en rappellera. Ils voulaient nous nous rejoindre au racabécique, le gros calice, hein? Va chier. Euh, excusez-moi. Revenons à l'article. La combinaison des chaînes RDS et RDS Info, ainsi que leur concurrente TV Sport, ont chacune perdu 9 millions de dollars pour l'année de diffusion allant du 1er septembre 2021 au 31 août dernier. Les chiffres publiés par le Conseil de la Radio. De la radio Télé... radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, couvre une période qui coïncide avec la saison de misère du Canadien de Montréal 2021-2022. Cette saison-là, le club montréalais a raté les séries éliminatoires après avoir récolté seulement 55 points en 82 matchs. Il y a quelques années seulement, RDS était la chaîne télé-francophone la plus rentable au Québec. C'était la chaîne... Télé francophone la plus rentable au Québec. En 2016, RDS-RDS Info avait généré à L2 des profits totalisant 22,5 millions de dollars. De son côté, TVA Sport a toujours été fortement déficitaire. Elle a perdu de l'argent chaque année depuis sa création. En 11 ans, TVA Sport a perdu environ, tenez-vous bien, 220 millions de dollars perdu par TVA sport par la grosse crise de Jean-Charles. Un problème qui touche aussi bien RDS que TVA sport est la perte d'abonnés à coût de 5 à 10 par an. Plus ça va être bien plus cette année parce que là il y a OK, les gens les gens coupent le câble, le monde veut plus la télé, ça sert plus à rien. Tout est sur internet de toute façon. C'est obsolète, vous le savez, vous avez vu mon show la semaine passée. Des données du sur TC montrent que TVA Sport a perdu 9 de ses abonnés en 2021 et 2022, c'est-à-dire plus de 122 000 abonnés, alors que RDS, de son côté, a perdu 7 de ses abonnés, l'équivalent de près de 125 000 abonnés. En 4 ans, le nombre d'abonnés de TVA Sport est passé de 1,7 million à 1,3. Chez RDS, le nombre d'abonnés est passé de 2,5 à 1,7 durant la même période. Un autre souci pour les chaînes sportives est le et la hausse euh, du coût des droits de diffusion. Parce qu'il les... n'y a, y a plus juste ça dans le fond, qu'une certaine valeur à la télévision, le sport en direct. Puis les grandes ligues, ils veulent avoir le plus d'argent. La NFL est le plus gourmand, évidemment. Puis le, le hockey aussi demande très, 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 très cher. OK. Euh... Aux États-Unis, même le réseau ESPN, propriété de Disney, qui est lui-même à vendre et sur le point de fermer, possiblement que Apple les, app les achèterait, ok, c'est ce qu'ils vont nous dire ici, se questionne sur un modèle d'affaires alors que des observateurs suggèrent qu'Apple devrait considérer l'acquisition d'ESPN. À elle seule, la chaîne RDS a dégagé une perte nette de 2,1 millions en 2021 22 alors qu'un an plus tôt, ses profits avaient doublé à 16 millions. RDS Info a pour sa part perdu 7 millions en 21-22, une perte comparable à celle des années précédentes. Pourquoi ces postes-là, les gens acceptent de perdre des millions de dollars? Moi, comme mes business commençaient à perdre de l'argent, j'ai fermé de suite. Les autres, hey, TVA Sport, 220 millions de dollars de pertes. Donc, si ça tire TVA par en bas, ça tire Vidéotron par en bas, c'est euh, en grande partie TVA Sports. Les revenus de RDS ont pourtant augmenté de 7 en, euh, à 153 millions en 21-22. Les revenus publicitaires nationaux ont notamment bondi de 14 Ça, c'est le gouvernement qui achetait toutes les pubs. Okay, ces années-là, c'est le, le gros pic de la propagande euh, vaccin pour euh, le gouvernement, à 39 millions. Les dépenses de programmation de la production ont toutefois explosé de 27 à 136 millions durant la période, cette situation a pesé lourd dans la hausse des dépenses totales et a provoqué la chute de la rentabilité. Des dépenses de programmation et de production de RDS avaient reculé à 107 millions un an plus tôt, alors que la saison de hockey de la NHL, écourtée par la pandémie, comptait seulement 56 matchs. Genre. Ok, donc il n'y a plus aucune lueur d'espoir à l'horizon. Donc, pis, de toute façon, le sport. C'est une affaire qui est bien facile à écouter dans un autre langue, c'est bien ça. C'est même une des meilleures manières d'apprendre l'anglais. OK? Euh, les revenus publicitaires sont en baisse, plus rien ne va plus. C'est terminé. D'ici Noël, TVA Sports, ça va être la clé d'emporte. Puis euh, RDS va très certainement suivre. Puis il n'y aura plus de sport en français, pas en tout. N'est-ce pas grave? Écoute une game de football. Là. Quand même, les commentateurs sont en anglais. Après quelques heures, quelques matchs, tu vas comprendre. Et puis, à, à force de l'écouter, tu vas comprendre l'anglais. Tu vas être sorti du dôme. Ça va être mieux pour tout le monde. Donc, c'était la chronique. C'est la fin des médias. Au profit de Cosmos Info, entre autres. Il va falloir que je sorte un Cosmos Info Sport parce qu'il n'y aura plus d'infos RDS Sport pour vous parler euh, du pain et des jeux dans le Colisée lorsqu'on envoie les lions manger les chrétiens, évidemment. <laughs> donc, c'était Cosmos là-dessus. Euh, on se revoit euh, dans un instant. Bon, ben, c'était ça. C'était ça, le Cosmos Show. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, donc, d'appel à l'action. Euh, garde vous donnez de l'information. Vous savez que personne d'autre va venir vous sauver. C'est à vous à prendre, euh, prendre l'avenir du Québec en main. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment je peux être plus clair. Donc, c'était ça le cosmos show. Euh, on a été en break au duo Majestic cette semaine. Je sais que vous êtes ennuyés. Je m'étais ennuyé moi-même. On recommence mardi prochain, 21h, avec mon ami Petit Albert. Manquez pas ça, ça va être sur toutes les chaînes. Ah, vous me suivez sur Telegram, très important. Vous me suivez sur Rumble. Rumble, c'est l'avenir. Vous me suivez sur Odyssée, c'est très hot aussi. Vous me suivez sur X encore pour l'instant. On va se revoir la semaine prochaine. Vous écoutez le Cosmos Show. Il euh, y a plein de nouvelles importantes qui, 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 qui se passent. Ça va être super bon, le Cosmos Show. Après deux semaines d'attente, ça va être un show incroyable. On va sacrer moins que dans le dernier, parce que, regarde, je m'excuse. J'ai réécouté le dernier Cosmos Show. Pas le dernier, le dernier Zoo Majestique. À un moment donné, on emporté. Puis là, on s'y met à sacrer. Mais là, quand un se met à sacrer, l'autre, OK, on sacre. Puis là, ça arrêtait plus. Pendant une heure et demie, ça allait à coups de calice puis de tabarnak. Un bon show, beaucoup de monde m'ont dit que c'est bon, mais ça me faisait mal aux oreilles. Donc, euh, ça va être plus civilisé à l'avenir, je vous le dis. Parce que, tu sais, des fois, les affaires vulgaires, des fois, c'est poétique aussi. Tu sais, au début de show, j'ai fait écouter euh, WD-40 avec euh, leur poésie de garage, de euh, mouche Et alors, il y en a un autre tune ici qui va comme ça, y, ça va comme suis ça commence une belle chanson d'amour qu'on appelle « La grande Moss sur le même album « Aux frontières de l'asphalte » de WD-40. Ça y va comme suit, ça va. Elle dit « Je pense à toi quand je me crosse, ma belle grande Moss. On s'est peut-être pas vu souvent, mais je t'aurai dans la mémoire longtemps. » Faire de la coke dans les bécosses, avec toi, et ma grande squad à Hein? On est peut-être pas si proches mais j'ai gardé les mains dans mes poches. Ah, j'ai les MWD 40, j'espère qu'ils vont faire un retour. Je vous à écouter leur album. C'est vieux, mais c'est bon. La poésie de Loser. Mais en même temps, tu sais, quand, quand ils disaient Je pense à toi quand je me crosse, elle sait que c'est un peu vulgaire. Mais regarde, c'est quand même le plus beau compliment sexuel que tu peux faire à quelqu'un. Mettons si une fille rêverait, à, à ben, elle me dirait, elle, dans une autre vie, là, faites pas ça, là, Madame Cosmos va pas ça. Mais mettons si une fille dans le temps m'aurait dit, hey, Cosmos, je pense à toi quand je me crosse. My God! Hein? Ça c'est parce que là, elle aurait pu penser à n'importe qui sa terre a choisi Cosmos. Regarde, je me sens un peu comme quand, là, à soir, là, vous avez écouté ce show-là. Vous auriez pu écouter n'importe quel autre show sur la Terre. Vous avez écouté Cosmos, mais pas de manière sexuelle, là, pour votre cerveau est fait, hein? ça va être bon, ça va être diversé, bon, va être cool. Mais c'est un immense honneur, très honoré que vous soyez là. Vous êtes là de plus en plus à chaque semaine. Euh, chaque semaine va être meilleur, vous me donnez de la puissance. Un gros merci d'être là. Je vous aime. C'était Cosmos, pas live, mais mon catchphrase, c'est live. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Mais pas ça, non. Si Dieu le veut, shout out à Edouard Carpentier. Salut la gang. Mmh.